Ah voilà. C'était pas le bon son. Alors on a, pour ceux qui n'ont pas suivi, de 1, t'es coquette, c'est toi qui es trop coquette, tu te moques ou quoi? T'es tellement coquette en fait. Je dis les termes. On est au jour 2, ça y est, on a passé toute la journée d'hier sur cette partie. On a galéré à avancer, mais on a avancé. Aujourd'hui on a Runard, et on va continuer d'avancer très tranquillement. Je veux vraiment pas... Je ne veux pas... Vous avez pas le son du jeu? Tu l'entends pas là? C'est quand je parle. En fait, quand je parle, il se baisse. Pour qu'on m'entende parler. Après, je peux le remonter encore un peu, mais... Après, quand je me tais... Bon, ça va, on reste pas si fort. Bon, je disais, je vais pas me presser et tout, mais... Vraiment, gros MDR, MDLOL, hein, vraiment, parce que on a les 3 étoiles. Bon, au moins, voilà. En vrai, on pourrait faire des chasses à l'habitant, mais j'ai pas de ticket. Et j'avoue que farmer pour en avoir, ça me fait un peu chier. Mais j'ai pas envie non plus de demander qu'on me donne des tickets. Mais au moins, voilà, c'est ça. Je me dis, on a speedé les 3 étoiles. Mais au moins c'est fait. Enfin, on a speedé, après on a fait toute la journée dessus. Hein. Mais je sais pas si je vous en gratte ou pas. Vous voulez qu'on fasse une chasse à l'habitant? Parce que là il nous reste 2 parcelles, donc on peut. Hein. Si vous en avez envie, ok, moi je veux bien et puis je vous y emmène. Et puis par contre j'en ai pas, faudra que quelqu'un m'en donne quoi. On fait une chasse? Bon allez si vous voulez, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Je vais juste vendre tout mon bordel, je vais ranger ça. Hop. Vous entendez pas la pluie de dehors, je pense. Je pense pas. Ah bah vas-y alors Nico si tu veux. Je vais t'ouvrir parce que j'ai pas encore... Bon c'est pas connecté je crois. Oh putain. Bordel. Mais j'accepte que les tickets c'est tout, hein. Le reste je prends pas. C'est juste pour faire une chasse. Merci, merci. J'ai 2 habitants à trouver, là. Environ 150. Ok, c'est gentil. Moi, je vais déjà prendre ce que Nico, il peut me donner. On va faire avec ça. Mais ma mèche, elle veut trop être coquette, là. C'est quoi, your problème, en fait? Ma petite louloute, en fait. J'ai recoupé un peu de tout à l'heure, là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a loup, maintenant. Faudra qu'on fasse... J'entends la pluie, mais je la vois aussi. Ah bah, normal. Recevoir des visiteurs. Tu vas être mon premier visiteur. Oh my god. Je t'ai en ami sur la Switch de Mirabelle, Nico. Je pense que oui. Ça va finir chauve. Ça va en vrai, je suis pas chauve là. C'est mon bébou. Alors, t'es tout beau. Tes couleurs coquettes. Oui, on sait. Ok, super. Oh putain. c'est vrai, on doit faire un live. Mais en vrai, c'est bien, je trouve, qu'on fasse un live 24h à 2, parce que comme ça, la nuit, on va pas dormir, tu vois, on va pas s'endormir. C'est ça qui est bien. Ça sera moins chiant, ouais, de fou. Moi, quand j'avais fait mon live 24h, là, et le 36, je me rappelle que Voli m'avait tenu compagnie jusqu'à genre 5-6h du matin. Et que après j'avais mis le live en pause et j'avais été à la douche, etc, etc. Je m'étais repréparée, patati, donc j'avais pris genre une heure, un truc comme ça, 30 minutes, une heure. Ouais, Voli m'avait accompagnée, franchement, je pense que je me serais endormie sinon, enfin je serais vraiment en mode morte quoi. Mais là du coup à deux ça va le faire en vrai, ça va le faire. Faudra qu'on se prévoie une date, on vous redira hein, parce que... Actuellement, on ne sait pas. Pansement, vraiment. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on verra donc. C'est un week-end, je sais pas. Je pense, oui, qu'on fera ça un week-end, genre un samedi ou dimanche. Genre un samedi midi ou dimanche midi, je pense, ou un truc comme ça, non? Ou même plutôt, peut-être de 10h du matin à 10h du matin le lendemain, ou je sais pas.
Quand on vous redira, de toute façon, il faudra qu'on se cale et qu'on voit. D'ailleurs, Harry, n'hésite pas à les regarder dans mon serveur Discord, dans Média. Il y a Ryan qui a fait un best-of avec des mèmes et tout, trop drôle, de l'event entier. N'hésite pas à aller voir parce que tu t'apparais dedans plusieurs fois et c'est super drôle. Va voir, va voir. Merci Maggie pour le follow, bienvenue. Un week-end? Bah ouais, un petit week-end, ouais. Non, non, pas du tout, Victoria, justement, ce que je disais, on attend, on verra bien. J'ai plus de pelle. Il fallait que je vende tout ça. Je vais aller vendre mes affaires là. À la boutique en attendant. Piquez pas Samantha qui défonce la porte. C'est un Samantha qui voulait péter la gueule à la cliente alors que bon. achète-moi des trucs. Les couettes, elles sont trop moches hein, dans ce jeu là. Ah mais non, mais ça faut que je les range, pas que je les vende, je les ai oubliés. Crevé de rire, vraiment, c'est super drôle. Allez voir si jamais vous l'avez pas vu et que vous avez participé au live, il y a Ryan qui a fait un best-of dans Média sur le serveur Discord. Et si vous n'êtes pas sur le serveur Discord encore, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est là-bas que je vous fais mes petits mots d'amour et tout, quand je vous dis que je suis trop amoureuse de vous. Bref, oh my god, il y a Slay en personne qui arrive. On se rend compte ou pas là? On se rend bien compte ou pas là? On se rend bien compte? Coucou Aurore, comment ça va? J'espère que tu vas bien, bah oui moi super, comme d'habitude en même temps. Mais ça va très bien, merci. Slay en personne. Faites de la place pour Slay en personne. Transformiste de minuit, je vais mourir. Je hurle. Ah, le loto, merci, je l'ai pas vu. Donne-moi un nombre entre 1 et 10. La réponse est 7. Bravo à ceux qui ont voté 7 et je vous en dois encore 2. Hop, j'en relance un. N'hésitez pas à voter et à choisir votre chiffre. Je sais pas si vous entendez l'ambulance là ou je sais pas quoi. Chat avec des joueurs. Je suis pieds nus là, grosse honte. Mais moi non plus, Aurore, j'ai vu du coup hier. Je suis là, putain, je vais pas Aurore du coup. Bah c'est pas grave, on a résolu le problème. Je pensais te suivre, tu vois. J'ai jamais fait attention. Salut toi, t'es à poil? Il est tout nu. T'es à poil? Avec des collants? En mode barésille? Bah alors Nico. Il me donne des tickets, on va faire une chasse à l'habitant pour mes deux habitants. Merci Nico. Bon ça suffira je pense largement. Merci beaucoup. Mais t'es tout nu? Caca. Il est à poil là. Oui. Bah t'es sexy. Je voulais faire quoi? Ah bah vas-y, c'est bon, je peux te virer. Merci beaucoup, Nico. Tu sais que c'est le slay en personne, si je peux me permettre. Bah j'espère qu'elle sera juteuse, cette pomme. Vous êtes trop en mode voleur, voleur, ça y est, m'a pris une pomme. Ce n'est pas la fin du monde, en fait. Le voleur de pommes. Le tuer avec le ouais. Merci pour cette superbe pomme juteuse. De rien, c'est vraiment équivalent à tous les tickets que tu m'as donnés. On va juste finir les lotos. Donc on part à la chasse à l'habitant dans 20 minutes. Voilà, comme ça je pourrais vous mettre les... Je pourrais vous mettre correctement les prédictions. Sans que ça bug. On va un petit peu vite fait faire le tour, on va se changer parce que là j'ai une sacrée dégaine de merde. Faut dire les termes, vous m'excuserez. Oui, très bien Mariana, et toi? Très très bien. Je dors mieux, et puis bah voilà quoi. Petit dodo, et puis hop. Mais ma montre elle me dit j'ai dormi 6 heures, mais j'ai dormi plus, hein, j'ai dormi 8 heures. Elle me dit n'importe quoi. Oh, putain. Il y a un truc dedans là qui me plaît beaucoup. Il y a un groin. Il y a un groin, les amis.
Ça vaut, j'ai fait le stage de premier secours. Oh, trop cool. Trop trop bien ça. C'est bien de le faire en vrai. C'est bien de savoir. Oui, elle est bien juteuse cette pomme. Bah, je suis ravie. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, le petit nœud du tablier. Ma jupe avec mes chaussettes. Trop petit point. C'est incroyable la vidéo de Ryan, elle est trop drôle. J'adore. Alors, à la pêche au moule moule, je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville ville ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville ville ont pris mon panier, maman. Je pense que c'est parfait. Je vois pas qui a fait ça. Et merci peut-être pour le Prime. Mais je suis trop belle. En vrai, franchement, il y a grave rien. Il y a grave une vibe. Merci beaucoup peut-être pour le Prime. Merci, merci. Triste histoire de panier, franchement. Mais c'est pas mal, non, en vrai. Moi, j'aime bien. Seaward Rose sur Tozu. Mais c'est une glace, en fait. Trop une petite cochonne, l'automode qui t'a automodé. Je vais hurler. En même temps, je comprends. Bon, on va enlever le reste des objets en attendant. C'est sublime, hein. Franchement, une tenue comme ça ou rien, quoi. On va enlever tout le bazar qu'on a posé partout. Philly caca version Quen. Bah là, franchement, c'est vraiment le cas de le dire. Si je peux me permettre de donner un avis. C'est le cas. Le caca même. Petite blague. Christina Cordula serait jalouse, normal. De toute façon, Samantha, elle m'a dit qu'elle était déjà jalouse d'elle, donc elle pouvait être jalouse de tout et n'importe quoi. Hein. Ça m'étonne vraiment pas d'elle. Pauvre Christina Cordula qui prend des balles perdues, tu sais. Qui ne demande rien. T'as mangé un clown, mais normal, je suis tellement drôle, Mariana. Pas mal en vrai, la petite blague. Ça va, en vrai, franchement, on peut faire mieux, mais elle est pas mal. Heureusement, c'est pas la glace au chocolat. Bah là, c'était vraiment un caca premier degré, quoi. Je me demande hein, vraiment à quel moment ils se sont dit que ça ressemblait pas à une crotte, quoi. C'est... Ils sont un peu fous, quoi. LOL, comme disent les jeunes. Coucou, Satine, comment ça va? On est en train de trier un peu tout. Oh, ça passe, ça, ouais, franchement. Après, je pense que le chapeau était vraiment pas nécessaire, même en général. Hein, la glace à l'italienne, là... Enfin, y a pas une tenue de cône, tu vois. Y a pas une tenue de peau à glace. Pourquoi ils ont fait le chapeau comme ça? Aussi extravagant. Va savoir. Bon, on a deux habitants à trouver, du coup. Et on part en chasse à la fin du deuxième loto. Là, on est à la fin du premier. Il reste un peu moins de 4 minutes, donc n'hésitez pas le temps qu'on range tout. Lico, il a lâché un petit quelque chose sur ta tête. Mais excusez-moi, mais le groin, là. Ma tenue est superbe, je veux rien entendre. Mais c'est toi, là, la fille qui slay trop, là, je reconnais. C'est trop d'être trop belle comme ça. Trop beau, ma maison. Ça donne grave envie de s'y installer, en tout cas. Je vais ranger ça. Ça aussi. En vrai, on peut garder le filet. Dit-elle, non, mais ben c'est toi, là. Ouais, ça va bien. Et toi, Malina, tu vas bien? La tenue est vraiment belle. Bah, bien sûr qu'elle est vraiment belle, Béranger. J'ai donné toute mon énergie pour la faire. Heureusement qu'elle est belle. T'imagines si elle était moche, ma tenue? Imagine si ma tenue, elle serait moche. Bah non, j'ai donné toute mon énergie. Elle peut être que trop belle. Normal, bien sûr. C'est terrifiant cette tenue quand même. Hein. Bah en vrai ça va, franchement ça va, on a connu pire. C'est un peu drôle. Il y a aucun monde où elle est moche. Ah bah merci Béranger, tu dis les termes tellement forts. Elle est trop belle mais en français, bah ça c'est vrai. Tu dis les termes hein, aujourd'hui, franchement les termes sont dits. Hein. Les termes, les termes. Allez.
Qu'est-ce qu'on avait placé d'autre? Je crois que c'était tout, non? Salut Aster, je vais lui parler un peu quand même. Je sais pas si ça va nous servir pour de vrai, mais... Ah oui, il y a ça. Bon, évidemment, je pense que les habitants qu'on va prendre, c'est des habitants qui vont dans un thème un peu mimi, quoi. Mais j'ai peur de prendre tout le temps les mêmes que d'habitude. Coucou Kida, comment ça va? Écoutez, en attendant, on va peut-être pouvoir désherber le reste. Il reste 1 minute 35 pour le loto et après j'en relance un. Et à la fin du deuxième loto, c'est le début de la chasse à l'habitant. Ton chapeau, il décoiffe. Ah bah, il est... T'as vu, il est beau, hein? Odile, elle est grave coquette. Oui, mais Odile, on la prend tout le temps dans les îles coquettes. On est monté à 4184 euros dans la cagnotte de l'événement. C'est énorme. Non, mais vraiment, vous savez que... Je pense que je réalise pas à quel point c'est énorme. Prends Laura, bah oui, bien sûr. J'ai dit que je sortais de ma zone de confort parce que... Pas que je prenais des grosses merdes chez moi. J'abuse, pardon, excusez-moi. Je la déteste, c'est tout. Je l'aime pas. Au moins, voilà. Je ne veux pas d'elle sur mon île. Ça, elle va mettre des paillettes partout. C'est horrible à nettoyer, les paillettes. Ça se démaquille trop mal, en plus. J'abuse. Je l'aime pas, mais quand même. Misty, en vrai, ouais, Misty... Misty. Misty. Misty Phoenix. Misty, elle pourrait grave passer, j'avoue. J'avoue. Gertrude, non, t'inquiète. Après, on a reset une île... Avec Gertrude. Mais c'est parce qu'elle pue un peu du cul, si je peux me permettre. Salut Margot, comment ça va? Ah, merci Margot, c'est gentil. Camille, ouais, Camille, elle est mimi, en vrai. Mais je sais pas de temps, en vrai. Bon, en vrai, on va avoir plein de choix, on aura quand même pas mal de choix. Laura, Raymond, etc., le même sac, mais je les déteste vraiment. Bon, après, j'abuse hein, quand je dis les déteste. Pff. En fait, j'arrive plus à me les voir en peinture parce que. Ni à les voir parce que je les ai tellement vus qu'ils m'ont saoulé, genre. Vraiment, premier degré, ils m'ont saoulé. Je capte pas le délire avec eux. Salut Annie, comment ça va? Bienvenue. Ah, loto. Donne-moi un nombre entre 1 et 10. La réponse est 8. Bravo, c'est 8. Il dit tout le temps la même chose. Je vous lance le dernier. J'ai 10 minutes pour... J'ai 10 minutes pour ramasser les mauvaises herbes qui traînent, là. Et après, on part en chasse à l'habitant. Encore 8, hein. Vraiment, le 8... Hop là. Tududu. Elles sont mimi ces herbes là, je trouve en vrai. Les petites herbes là, avec les celles-ci là, avec les petits trèfles et les herbes qui montent là, je les trouve trop mimes. Je trouve ça trop cool qu'ils aient fait plusieurs types de mauvaises herbes. T'as les petits trèfles. En vrai, les petits trèfles, si tu laisses juste ça, c'est un peu mimi, regardez. Si je laisse juste les petits trèfles. Genre, si tu fais ça. Là. C'est un peu mims. Je vais les enlever quand même, mais... Bigoudi, elle est mimi, ouais. Je la trouve trop choupette. Elle est trop mims. Il y a plein de moutons, moi, que je trouve trop mimi. Bon, Tonton n'en fait pas partie, hein, mais... Il y a beaucoup de moutons qui sont trop mims et que beaucoup de gens détestent, mais... Ils sont trop sous-cotés, les moutons, franchement, je trouve. Moi, je les aime trop. Je les aime trop. N'hésitez pas à voter pour le loto. Je me tâte à faire le... L'insecto... Enfin, l'insecto. La bébétopédie. Ça peut être cool, en vrai. Ma dégaine, bon. Je me revois à chaque fois, là, et j'y repense, et je me dis, bon... T'as vu, elle slay, hein? Je vous la remontrerai quand j'aurai toute la DA, je vous montrerai tout. Mais ça a vraiment slayé. Et Clarelia, là, elle m'a fait les croquis. Bon, elle allait mettre la couleur, là.
Elle m'a fait les croquis de mes nouveaux badges. Ils vont être trop trop beaux. Ils vont être trop mims. Ok. On va faire les mauvaises herbes d'en haut. Ici, tant qu'à faire. Ah mais c'est vrai, il y a Runar, faut qu'on le fasse. J'avais dit qu'il fallait que je le fasse, mais par contre il est sur la plage là. C'est un peu étonnant. Je parierai sur les prédits habitants si vous voulez. Merci Lucas, merci beaucoup pour le 15e mois, merci pour ton prime. Et salut Yo-Yo, comment ça va? Merci beaucoup. Runar, en vrai, je l'aime pas et à la fois je l'aime bien. Regardez-le se gratter le ventre là. Je vais lui parler. Il est, en fait, si on y réfléchit bien, Runar il est à poil aussi. Hein. Il montre son cul là. Hein. Si on y réfléchit bien. Coucou Feno, comment ça va? Panneau trop panneau en fait. Comme Kéké quoi. Bah ouais, mais Kéké il est vraiment tout nu, tu vois. Lui il a la décence de mettre un petit bout de tissu. Mais lui il est tout nu aussi. En vrai. Quand on y repense. Quand on y repense. Il reste 6 minutes pour la prédit, n'hésitez pas à voter. Et après, on va en chasse à l'habitant. Je vous ferai des prédictions à chaque habitant après. Donc ça va vraiment s'enchaîner. Vous aurez entre 1 et 2 minutes à chaque fois pour voter. Et dès que moi, je vois l'habitant, même si la prédit est quand même en cours, elle sera validée. Donc pensez à voter dès que vous voyez la prédiction s'afficher, sans attendre de voir où les autres misent, etc. Parce qu'à tout moment, en fait, vous n'avez pas le temps de miser si vous attendez la fin de la prédiction. Ouais, prédit fille garçon, ouais. Et j'ai des bouteilles aussi, on pourra faire des bouteilles. Sur mon stream deck, j'ai les deux. Slay! Tu dis les termes. Vous êtes trop des termeurs, de toute façon. Vous dites tellement les termes. Il y a tellement de mauvaises herbes encore, purée. Slay ou pas slay? Ouais, mais ça c'est trop... En vrai on pourrait, hein. Mais ce serait vraiment selon mes goûts. Ça va bien. J'ai rien fait de ma journée, mais t'as raison des fois, hein. Faut se reposer, hein. T'as raison, Pano, hein. Féno trop Féno Pano, en fait. Salut Madame Chips, comment ça va? Fais du travail, aïe aïe aïe, qu'est-ce que t'as à faire? Pour les cours? Ça dit quoi d'ailleurs ton métrage là? C'était un court... Oh, c'était un court métrage, ça dit quoi? C'est un scénario de film à écrire, et eh ben dis donc ça rigole pas. Long métrage, long métrage. Ça dit quoi, ça dit quoi? Mais ça c'est pour tes cours hein, c'est ça hein. En vrai, tu fais plein de trucs en cours, hein. C'est cool. Est-ce que là, c'est bon? Ok. Ça se passe, j'ai des costumes de commander, des prods de contacter, et j'ai des parents à rencontrer. Ok, d'accord. C'est pas mes cours, c'est en pro. Ah, c'est pas tes cours, ça? Ah. Ok en fait. Moi j'ai rien suivi, je comprends rien. C'est moi, je me suis lancée. Ah ok. Ah oui, donc en fait c'est un truc, un projet à toi quoi. Je croyais que c'était un projet de cours moi, Feno. Purée, j'ai tout whipping.
J'ai tout mélangé. Salut, qu'en dira-t-on? Comment ça va? Mais cela, il est coquetteux. Comment ça va, Clocuro? Tu vas bien? J'avais pas capté, en fait, Feno. Salut, Camille. Comment tu vas? Il reste 2 minutes 30 pour la prédiction. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à amuser. On termine de ramasser les mauvaises herbes du dessus, là. Comme ça, au moins, ce sera fait. Je vais éternuer. Si! 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 Eh ben! Bah, Yasmine, je les vois pas. Genre là, dans le chat, il n'y a aucun message de toi. Merci, merci. L'événement faucheuse, c'est quoi? C'est quoi l'événement faucheuse? Moi, j'ai rien suivi. Merci Zoé, c'est gentil. Bah, il manque une, là, non? Elle est là. Il en manque une. Il y a une taupe grillon, pas loin. Bah, je sais pas, je les ai pas vus. Désolé. T'es sûr qu'ils s'en voient bien? Il manque que je les ai juste loupés, hein, peut-être. Oui, je me suis lancée sur un coup de tête. Ça fait un film avec 50 gosses. Parce que ça doit pas... Bah oui, je vois ça. Avec 50. Ça va être quelque chose, hein. Nez. C'est le retour du nez. Ça y est, l'émote est de retour. Ça fait du bien de la revoir. C'est bien qu'ils ont... Ce qu'ils ont fait sur Twitch, parce que tu peux supprimer l'emplacement d'émote, mais l'émote reste toujours en mémoire dans ta bibliothèque d'émote, en fait. Et tu peux les réattribuer, les rechanger, sans avoir besoin d'aller les rechercher dans tes paramètres à toi, tu vois. Genre, ils restent dans la bibliothèque. Et puis, tu peux choisir lesquels, tu peux les switcher très facilement et tout. C'est vachement pratique. Du coup, ça m'a permis, là, de les bouger en 2-2, quoi. Bon, je finis juste le haut, là. Je vais voir Runar, et après, on part en chasse. Il reste quoi? Il reste 15 secondes. Donne-moi un nombre entre 1 et 10. Ça fait 6. Bravo, 6. Vous êtes fort, vous êtes fort. Allez, la prédiction s'actualise. Merci. Bravo! Est-ce qu'à la sortie du pack de la mort, il y a une annonce de 6 semaines, le tas des Gaules. Oh, trop cool. Purée, faudrait qu'on refasse ça, alors. Purée, mais moi, j'ai trop de trucs à faire. J'arrive pas à avoir l'envie de tout faire. Je suis pas assez accessible, je pense, pour tout ce genre de trucs. Tout ce genre d'événements. J'aime bien quand je suis dans un petit let's play, quand il y a un nouveau pack qui sort, etc., tu sais, le découvrir. Mais quand ils font plein d'événements comme ça, j'ai l'impression d'être complètement à la ramasse. Bah, je l'ai déjà fait, ouais. Là, je vais pas le faire, mais je l'ai déjà fait, oui. Je l'ai fait une ou deux fois, l'event d'Halloween. En vrai, en général, quand tu fais les événements une fois, c'est bon. Après, tu les fais plus, quoi. Ouais, les Sims, faut suivre, sinon t'es vite perdu, c'est clair. Et pourtant, moi, je suis partenaire Sims, hein, mais j'ai du mal à suivre. Hein. Ils font tellement de... Ils sont tellement tout le temps en train de faire des trucs, genre des duos que moi je suis dans le serveur partenaire des Sims, etc. Et presque tous les jours, on est tagué pour une news, un truc comme ça, quoi. Presque tous les jours. J'arrive plus à suivre, et puis c'est que des trucs en anglais, parce qu'il n'y a pas la version française, donc je suis perdue, j'ai la flemme de traduire. Ce serait pour Animal Crossing, tu vois, je prendrais grave le temps, mais les Sims, j'avoue que c'est moins ma priorité. Non, Melna, c'est Twitch qui augmente les prix sur téléphone. Les prix sur téléphone, à partir du 1er novembre, ils passent à 6,50€ à la place de 4,50€. Mais c'est parce que sur PC, ils sont passés de 4 à 5€. Donc, logiquement, ils étaient censés augmenter en même temps, mais ils ont eu un décalage. 6,50€ les fucking subs sur téléphone. Je vous invite grandement, si vous voulez vous sub, à enlever votre abonnement ou si vous n'en avez pas, à le prendre depuis le navigateur. Vous ne payerez que 5€.
Et pas 6,50. Parce que bon, faut pas abuser non plus. Ah, ils le sont déjà, Océane ? C'est déjà... Ah ouais, je croyais que c'était au début novembre que ça changeait. Oh purée. Mais il rigole pas en fait. Hein. Faut que je fasse quoi là? Faut que je lui prenne une œuvre? C'est une vraie celle-ci? Il n'y en a qu'une vraie, non, celle-là? Oh, c'est la quantité de lait. C'est la fausse. Je vais regarder sur internet. Non pas que je vous crois pas, mais pour être vraiment sûr. J'ai failli pas me connecter avec le compte du bot. SNH. Tableau. Ah, les tableaux, je l'ai fait une fois en 2020 et après je l'ai plus jamais refait aussi. Ah, mais chiant! Mais pourquoi je la vois pas? C'est pas à jour le site là, il en manque des tableaux. Bois de l'eau, gouttelette. Elle est où la laitière? Ah, elle est là. Ouais, la vraie c'est celle-ci, du coup c'est bien la vraie. Ok. Merci. Et bois de l'eau, merci Mina. Salut Matas, comment ça va? Bisous Yasmine. Bah, je vais la prendre, hein. Ça va bien, merci. C'est l'anniversaire de qui? De mon papa? C'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui. Et bon anniversaire, Edora! Les 230 pour ton anniversaire, OMG. C'est le même anniversaire que mon papa. Bon anniversaire, finalement. De ta fille aussi, Chicanari? C'est vrai? C'est l'anniversaire de tout le monde, en fait. Bon anniversaire à tout le monde. J'espère que ta journée, elle s'est bien passée. C'est mon jumeau de fou. Allez, on va aller en chasse. On finira ça plus tard, on n'est pas pressé de toute façon. Tout le monde est né le même jour, c'est clair. Ah non, c'est pas une échasse. Une échasse. Pff, une perche. Une échasse. Je suis qui, moi? Je vais vendre mes trucs. Oula, ça a bugué un peu. Trop slay! Faut dire, hein. Salut Meli Mello, comment ça va aujourd'hui? Vous slayez bien? Je viens vous vendre des mauvaises herbes. Entourage est né le 26 septembre. La vache! C'est beaucoup en vrai, 5. Alors, on va vendre ça, ça, ça. Et ça. Et le reste, on va aller les ranger dans l'inventaire. Ok, vas-y. Je pense que j'ai des miles à récup. Les fruits de la mer. Comment ça 30? Ah, c'est les coquillages. Je croyais que c'était les créatures marines. Je me disais, mais j'ai jamais plongé autant, là. Même plongé tout court, j'ai pas plongé encore. J'ai même pas de maillot de bain. Ok. Je vais baisser les lumières, elles me font mal aux yeux.
Surtout celle-ci, là, celle là-bas, elle peut rester un peu, mais... Ok. Je sais pas, je ne sais honnêtement pas comment font les streamers qui streament avec la lumière face à eux à 100%, quoi. Il y a des streamers avec les keylights, là, ils streament avec la lumière face à eux à 100% de la light. Les lumières, moi, je leur tourne le dos, donc ça veut dire qu'elles éclairent le mur en face de moi. Il y en a une à 30 et l'autre, elle est à 15. Et j'ai les yeux qui me déglinguent, quoi. Je sais pas comment les gens font. Les gens sont fous. Non, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. On va aller ranger, puis on va aller faire une chasse. Porte des lunettes de soleil, bah, je sais pas, mais... Allons déposer nos affaires et on est parti. Je vous mettrai l'après-dit quand on sort. Coucou Rouleau, comment ça va? Ils améliorent la lumineuse. Comment ça ils améliorent? Parce que ça veut pas dire... genre là, moi, si je mets mes lumières à 100%, les deux que j'ai, contre le mur, là, voilà la... Bon, c'est très bien, là. Ce serait super que je stream comme ça, hein. Mais je peux pas regarder mon écran parce que le mur me déglingue les yeux. C'est vrai que... Là, c'est à 100% les deux. Mais ça me défonce les yeux, je peux pas, hein. En plus, là, en fait, c'est que j'ai pas d'autre lumière dans la pièce. Je pense que j'aurai une autre lumière en fond, je sais pas, genre là-haut dans le coin en fond de ma pièce, là. Je pense que ce serait... Why not? Ça pourrait être un peu mieux parce que j'aurais une ambiance... plus tamisé dans la pièce, pas forcément que spot ici, donc ce serait plus diffus. Et j'aurais moins mal aux yeux, mais là le fait que ça vienne vraiment de là, tu vois, ça me... Alors, je vais pousser ça... Et puis on va partir en chasse, je vous mets la prédiction. Mais je vais récupérer mon stream deck pour l'avoir sous la main. Prédiction lancée, vous avez 2 minutes pour voter. Allez! Allez, allez! Blanche cadavérique. Bon, après, je suis blanche de. Non, normal, donc. Enfin, je suis blanche cul, hein. de base. Donc, c'est juste ma couleur, quoi. Au final, est-ce que ça change vraiment grand-chose? Juste blanche cul, hein? Qu'est-ce qu'on y peut? oui, je connais Twice. Qui ne connaît pas Twice? Moi. Bah, c'est parce que t'écoutes pas de K-pop. Quand t'écoutes de la K-pop, si tu connais pas Twice, c'est que t'étais dans une grotte, quoi. C'est un des mastodontes de groupe de K-pop féminin depuis genre 10 ans. Tu peux pas ne pas les connaître quand t'es dans la K-pop. Enfin, quand t'écoutes de la K-pop. Sauf si vraiment tu viens de débuter, quoi. Oh, c'est un garçon. Je vous ai dit tout à l'heure, votez tout de suite, n'attendez pas la fin de la prédit, les prédits se coupent avant leur fin. Votez maintenant. Votez, 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 votez. Et moi j'ai dit que je voterais avec le compte du bot, alors on va voter. C'est l'inverse normalement. Allez, je mets 10 000. Je vous rends vos points. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, tant pis. Enfin, tant mieux. Oh non, c'est Walmoon. Moi, dans ma grotte. Mais non, mais je parle des gens qui écoutent de la K-pop. Si t'écoutes pas de K-pop, tu peux pas connaître Twice. T'as pas de tout le reste de la musique est tellement anti-K-pop, j'ai l'impression, que si tu n'écoutes pas de toi-même, tu ne tomberas jamais dessus, quoi.
C'est pas comme tu peux tomber sur les musiques de Mélanie Martinez de manière random, tu vois, ou de Ariana Grande, ou qui sais-je. Genre vraiment, la K-pop, tu ne tombes pas dessus si tu ne vas pas le chercher de toi-même. Je ne suis jamais tombée en écoutant de la pop classique sur de la K-pop. Jamais, 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 jamais. Et pourtant, c'est des centaines de millions, voire même des pas des dizaines de milliards, j'abuse, mais genre, ça peut monter jusqu'à quelques milliards de vues pour certains clips de K-pop. Genre les Blackpink, ça se compte en milliards de vues, leurs vidéos. Et pourtant, il y a une énorme partie du globe qui n'a jamais écouté les Blackpink et qui ne savent même pas qu'elles existent. Quand j'ai découvert les Blackpink, je les ai découverts sur une musique où il y avait déjà plus d'un milliard, un milliard de vues sur la vidéo. Je n'avais jamais entendu la musique. J'étais choquée. Je me suis dit, putain, mais comment ça, je suis passée à côté de ça toute ma vie? Alors que le truc est super connu, quoi. Un milliard de vues. Ah, une île au bambou. J'ai pas de pelle. Oh, Guido. Il me dégoûte. Nouvelle prédit. Je fais le tour pour voir s'il n'y a pas une petite bouteille. En vrai, ça peut toujours me servir. N'hésitez pas à voter pour la prédiction. Le bot a gagné, je crois. J'ai pas de pelle. J'aurais dû prendre une pelle, mais j'en ai plus. Fallait que j'en achète une. Il est horrible. Au revoir, Guido. Tu étais moche et tu le resteras. Tu comprends qu'il y a pas longtemps que j'écoute de la K-pop depuis mon année. Ah ouais, c'est vrai. Avec quoi t'écoutes? Moi aussi, je pensais que c'était des musiques japonaises. Parce que j'étais tombée dans la side des musiques japonaises. Au final, je pensais que c'était ça. Mais en fait, j'écoutais de la K-pop et non pas de la musique japonaise. Genre, j'ai découvert avec EXO, je crois. Je pensais grave que c'était japonais, mais pas du tout, du tout. Ah ouais, ok, ouais, je vois. Guide O. En prendre une à Rodrigue. Ah si, je peux grave. Tant pis. CNBLUE, Big Bang. Big Bang, je connais pas. Enfin, je connais de nom. CNBLUE, ça me dit rien, mais EXO, ouais, évidemment. Oui, c'est vrai, mais là... Ah oui, bah là, oui, j'ai lu l'année dernière, mais non, c'est la semaine dernière, ouais, ouais, ouais. Trop drôle, en vrai, qu'elles aient refait un concert. Elles reviennent dans le gang de fou, mais là, elles vont refaire des sons, non? Je connais pas du tout CNBLUE. J'irai voir. Mais c'est fou, parce qu'en vrai, c'est dur, je pense, pour des groupes de rester autant dans la... enfin, aussi longtemps dans le monde de la K-pop, à un moment donné, c'est forcément, au bout d'un moment, bah, ça suffit, tu vois. On arrête, en fait. J'ai vu Jenny hyper hype au concert, trop cool. Raymond, c'est qui ça même? C'est qui Raymond? Roderigé. Roderigé. Ah Raymond, putain, j'ai pas vu. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé, mais je viens de sortir une photo sur Insta. Je me suis dit, putain, mais ma montre, elle fait que de vibrer. C'est ce que je l'ai programmé tout à l'heure. N'hésitez pas à les liker, évidemment. À donner la force, en fait. Je l'avais programmé, j'avais oublié en fait. Superstar, normal. N'hésitez pas à aller voir mon profil Instagram. Mon bébé. Je peux pas encore reprendre Miglou, je peux pas encore le reprendre. Je l'ai tout le temps. Je l'aime trop, je l'aime trop. Mais il va pas dans un thème coquette, il va dans un thème normal. Mais je l'aime trop. Nouvelle prédiction. Nouvelle prédiction en fait. Allez. Likez pour un don. Likez pour une noisette. Je vous donne une noisette si vous likez ma... J'ai fait un truc, regardez. Ah bah non, je peux pas vous montrer, il y a la prédiction devant. J'ai fait un nouveau... Bah si, je vous montre, allez hop, je dégage le truc. Regardez. Si je peux me permettre. C'est pas trop drôle. Si je peux me permettre. 2 plus 2 ça fait 4 en fait. Ça fait pas 3. Et toc. Tellement de noisettes en vous. Je l'ai refait le fichier. J'ai découvert un deuxième filtre, parce que celui que je voulais marchait pas. En fait, je voulais juste que ça se focus ma tête et que ça fasse un gros effet sur ma tête. Mais en fait, l'effet, si je veux qu'il soit gros, ça zoome de fou tout l'image. Et du coup, bah,
Bon, là aussi, d'un côté, je suis très proche. Genre là, je suis très proche. Tu veux te battre? Tu veux pas des noisettes? Je suis très proche, mais c'est drôle. Front sur nous. De fou. Salut l'Aurore, comment ça va? Recule, STP. Arrière! Arrière! Reculez! Mais si je peux juste faire ça en fait. Ok! Résultat de la prediction? Allons voir ça. Vous avez eu le temps de voter jusqu'à la fin parce que je suis un peu lente. Il y en a qui ont de la chance ici. Pardon, je rote encore. J'adore roter, c'est ma passion. Pardon. Eh oh. Je fais que gagner. Je viens de prendre 60 000 points de chaîne là. J'ai presque 200 000 et pourtant je vous donne des 30 000. Hein. Comment je vais vous faire une prédit à 250 000 que vous allez vous régaler là? Je vais vous rendre vos points. Vous allez être bad content. Allez, nouvelle prédiction, n'hésitez pas à voter. Je vous mets 100 000. J'espère que là, du coup, ce sera fille. Comme ça, vous pourrez récupérer les 100 000. C'est qui a mis 40 000 de l'autre côté? Bah, c'est Béranger, il est complètement fou. J'ai mis ce clic de zinzin. Béranger, tu veux que je refasse? Parce que là, c'est quand même beaucoup de points. Tu veux que je la refais, là, Prédi? Je la refais ou tu veux tenter avec les 40 000? Tu peux me dire. Si tu veux. Laisse. Ok, je laisse. Il joue le jeu, il s'est mis ce clic, mais il joue le jeu. On joue ici, ok Béranger. S'il perd, on pourra pas dire que... Hein, voilà. S'il perd, on pourra pas dire que... Bon, je lui ai pas proposé. Et merci pour le à boire, je l'ai pas vu. Merci beaucoup. Après, s'il gagne, il se fait du 80 000. Hein. Une chance sur deux après. Hein. J'ai mis 10 000, ok. Mais là, si c'est un garçon encore... Là, je touche 200 000. Je touche 210 000 points de chaîne, là. C'est ok? Non, je touche 200... Ouais, si, 210 000 points de chaîne. 213 000 points de chaîne. Si c'est un garçon. Là... Là, franchement... Là, ça régale. Après, elle devienne que pour un, hein. J'espère pour vous que ce sera une fille, mais on sait pas. On ne sait jamais. Je vais chialer, j'ai peur. 46 personnes. 47 personnes sur fille, c'est vrai. C'est vrai. Et je vais même mettre... Oh non, j'ai mon échelle, c'est vrai. Pitié, Gertrude, c'est tout moment de sortir. Non, vraiment pas. Ok, un peu de suspense, ici. Le suspense est à son comble. Et n'hésitez pas à aller liker ma photo Instagram. Et c'est une fille! Bravo à tous! C'est Cachemire! Bravo, vous avez déplumé le bot. Béranger, là, comment il sent? T'as pris combien, Béranger? 75 000 et B, dis donc. Allez, nouvelle prédit, bravo à vous. Vous avez dépouillé le bot. Ah, ils ont changé les trucs des power-up. Je vais voir s'il n'y a pas une bouteille. Merci Lutolanso, bienvenue. Merci pour le follow. Merci beaucoup pour tous vos follow là. Vous avez été pas mal à follow et à vous resub et à envoyer des bits, etc. pendant ce week-end. Je me sentais un peu mal de vous remercier pendant un plein événement caritatif alors que vous me donnez de l'argent à moi. Donc merci, maintenant je peux vous dire merci. Merci beaucoup et merci aux personnes qui ont pris le temps de donner plutôt que de se sub évidemment.
Et coucou Oloc, comment ça va? Envie de remiser 40 000 du coup. Bah... Let's go, bah il a remis. N'hésitez pas à voter du côté fille là si vous voulez Stonks là. Ça va Stonks si c'est une fille. Ça me piquait mes poings, Jikanari, je t'ai vu. On a tout vu. On a tout vu. C'est fou parce que personne ne m'a encore demandé qui je cherchais. Enfin du moins j'ai pas du tout vu le message passer. Merci. Ça fait du bien d'avoir personne qui te demande qui tu cherches alors que t'en sais rien. Je sais pas qui je cherche, jamais. Au pif. On verra. J'allais le demander. Bah, je sais pas. Vraiment, profites-en, je te jure. Si j'avais demandé... Ah, désolé, j'avais pas vu le message. Tant que je l'ai pas vu, je ne suis pas outrée. Outrée, la meuf qui dit des termes. Je sais pas qui je cherche. On verra, hein. Si je tombe sur quelqu'un, au feeling, on en prend, hein. Que j'aime bien. De préférence qu'il aille dans le thème, mais... Salut Samuel, comment ça va? Tu cherches le premier venu? C'est qui? Oh, c'est Nana! Elle est trop mignonne, c'est une fille! Bah, bravo! Vous avez encore plumé le bot. Nana, elle est trop mimi, mais je pense que pour le thème, tu vois, je préférerais prendre Biquette que Nana. Mais je l'adore, Nana, elle est trop mignonne. Dommage qu'elle soit toute noire. Elle va vraiment pas du tout dans le thème, du coup. Flûte, alors! N'hésitez pas à miser pour la nouvelle prédiction. Allez. Hop les. Bravo pour vos points, là. Vous avez des gigamises, hein. Franchement, bravo. Touloulou. Oh Achille. Vas-y hein. Si tu gagnes pas d'un côté, tu gagneras de l'autre comme ça. Je me suis fait 20 000 en 10 minutes. C'est ça qu'on veut. Moins 40 000 à Babéranger, tu les avais risqués avant hein. C'est pas grave. Gain 100%. Bah là c'est sûr. Si tu prends les deux comptes, ouais. J'avoue Victoria. Bon c'est déjà ça. Pour le sap, normal. Merci Oloc pour le à boire. Merci de m'hydrater. Pensez-y à vous boire. À boire aussi. Même s'il fait moins chaud, etc. C'est toujours important pour votre corps de boire. Vous devez quand même boire au moins 1,5 litre, 2 litres par jour. Hein, c'est important. Je sais que l'être humain a du mal à boire, à s'abreuver, j'ai l'impression. Buvons-nous. Buvons-nous. Debout. Vous savez, en hiver, il y a un truc qui me saoule, c'est quand les chaussettes, elles sont pas assez longues pour aller sur le pantalon pour pas que l'air il te chatouille, l'air frais te chatouille les chevilles. Je déteste ça. Ça me chatouille les chevilles. Buvez vos us. Buvez sur vos us. Buvez sur vos us. Bah, j'ai même pas regardé, j'allais déjà partir. Folle que je suis là en fait. Oh c'est une île à clochette. Et c'est un garçon. Bravo. Buvez vos culs. Tout à fait. Je vais demander à Rodrigue une pelle. J'ai besoin d'un outil. Et je vais vous remettre une prédiction. Votez-y pour la prochaine île. En attendant que j'aille récupérer ce qu'il me faut. Et c'est quoi pour augmenter la... Mais je peux pas la crafter, la nouvelle pelle. Je vais en prendre deux. Moins 31. Putain, mais Lolo, vraiment le rat originel. Trop pédi que j'ai perdu. Oh no. Goody et Nouille, comment ça va? Je me refais ma richesse, mais t'as raison, hein. Vous avez raison, profitez des chasses, hein. Ça, c'est vraiment des prédits gratuites. Et c'est pas trop souvent non plus qu'on en fait, donc... Des pointines, Lolo, il a tellement...
Il a 1 800 000, il pourrait tellement vous balancer des 200 000 points de chaîne. Là, Lolo, si tu mets 200 000 points de chaîne et que tu gagnes, tu te mets bien, hein. T'as les 2 millions, là. Les 3 millions, moi, toujours plus. Vu ma chance, je vais perdre. Ça y est. Toujours plus. J'ai 2 millions dans 100 000. Ah, purée, t'es déjà là. Mais t'es plus proche que prévu. Merde. J'ai mon gain 100%. C'est le moment là, la taupe grillon. Tu crois qu'on a besoin de ça? Là, on va se faire des sous. Hein. Je vais extraire tout, comme ça je vais pas avoir de problème avec les autres. Je me mets dans les trous parce qu'à chaque fois les cailloux, je crois que c'est un peu de la merde. Ça te met pas vraiment dans un creux. Salut Eugénie, salut Sidonie, comment vous allez? Moi ça va bien, merci. J'ai lavé mes cheveux, t'as bien raison. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. En tout cas, ça met bien les pierres à clochettes, là. Ouais, ouais, carrément, Eugénie, franchement. Je me sens pas spécialement fatiguée, tu vois. Je pense que le fait que je sois chez moi, ça a bien aidé au fait que je me repose bien, quoi. J'ai bien dormi, hein, entre les streams et tout. J'ai pris le temps de manger, de tout, hein. J'ai bien pris le temps, donc... Bon courage, Marie! Tu serais multimillionnaire, bah tu serais comme Lolo, hein. Lolo, je pense qu'il a dû la louper même pas 10 streams en tout, hein, depuis que je commençais à en faire, hein. T'as dû louper, ouais, 10 streams, Lolo, en vrai, à peine. T'as toujours été là, bah maintenant, ouais, il a 1 900 000 points de chaîne, quoi. Après, bon, ça fait 4 ans, quoi. Lolo, ses points, il les a depuis un bail. Et encore, il a dépensé 200 000 pour un VIP pour qu'après 2 semaines, il soit modo. Ouais, 1 an et demi, t'es là tous les jours. Hein. T'as loupé un jour, quoi. Bon, on a récupéré combien? Pas mal, en vrai. On va pouvoir rembourser le premier prêt. Merci Irène pour le follow. Ok, je connais déjà ce plan. Je connais tellement peu, rien du tout et pourtant je connais déjà ce plan là quoi. Salut Louise, comment ça va? Re Louise. J'en ai marre des plans de merde comme ça là. Allez, île suivante. Vous avez voté quoi? Vous avez voté 50-50. Vous votez bien, hein. Ah, trop cool, Flowers. Louise. Un jour, on arrêtera de l'appeler comme ça. Moi, j'aime bien l'appeler Louise. C'est mimi, c'est affectueux. J'ai misé moi là pour cette prédiction là ou pas? J'ai misé? Non, je crois pas. Je vois pas où. Moi ça me dit que j'ai pas misé à celle-ci. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Attendez, je me suis perdue là. Hop.
Je veux voyager. Ouais, c'est un peu tard pour le goûter. Après, si tu manges un tout petit truc, ça va. Ça va. Si tu manges à 20h, ça passe. Franchement, ça passe. T'as pas un 09 ? Et tu te frottes les mains comme ça derrière. Si, si, la prédit, elle est finie depuis tout à l'heure. On attend le résultat. Ouais, une petite pompote, c'est bon, ça va, ça va. Vas-y, tu peux, hein. C'est qui vos exemples de petites pestes ados? Genre les populaires insup. Mandy dans les Totally Spies. C'est une fille, bravo. Nouvelle prédiction. Il y en a plein des comme ça. My god, mais oui. Mandy, que les meufs comme ça, tu sais. T'as pas un dodo code? Si, j'ai un dodo code, mais là, je l'ai pas, quoi. Vous auriez dit qui d'autre? Pour mes costumes. Ah bah, vas-y. Shame, mom, vous êtes trop méchant. Bisous, Rolo. Bon, lavage de cheveux. Je suis trop fort, normal, Achille. Allez, on vote, on vote. Ça va prédire ici, en fait. Allez, ça va miser 10 100. Ici. Allez. Passe ton code motif. Eh, mademoiselle, passe ton code de motif, en fait. T'as pas un dodo code, mademoiselle. Par mieux de ma fille. Ah bon? Salut Monoï, comment tu vas? J'ai encore des moustiques. Encore? Moi j'ai des petits moucherons là à cause des plantes, mais les moustiques ça va, en vrai ça, c'est fini là. C'était trop slay hier soir, mais de fou. Tellement. C'est si vrai ce que vous dites là, vous dites les termes, vous êtes trop des termeurs. Il vous reste 15 secondes pour la prête si jamais. Vite, vite, vite! Mais oui, ça va bien, merci. Ça va, ça va. Ça va bien, ça va bien. Ah ouais, bah la piscine ouverte, ouais. Oh, c'est Grisa, la petite louloute. Elle est trop mignonne, elle, mais... Non, allez, vous savez quoi? Venez, je dis tout le temps que je la prends jamais. J'annule la prédiction. Je la prends, je l'aime bien. Même si elle est grise et tout, si on lui donne des habits roses, franchement, elle va trop dans le thème. Je l'adore, elle est trop mignonne. Je l'ai jamais prise. Bah, de toute façon, je suis bête. En vrai, je peux vous laisser puisqu'on en a deux. Allez, pour le... l'île suivante. Je prends elle et puis on regarde pour un autre. Elle est trop mignonne. Non, non, c'est le premier, Lolo. Je l'adore, mais je ne l'ai jamais prise. Bah écoutez, voilà. Elle est super coquette. Si je lui mets un habit rose, elle est trop coquette. Les gens, ils préfèrent grave Léa à Grisa, alors que Grisa... Léa. Je suis désolée. Mais Grisa top 1. Salut Sonny Rose, comment ça va? Qui veut équilibrer la prédiction? Moi, je l'équilibre, t'inquiète. Regarde. Ah ouais, j'ai l'équilibre de fou même. Hop! Enfin, de fou, j'ai quand même mis beaucoup, purée. Et au Béranger. Plus mimes. Oh non, moi je trouve Grisa, elle est plus mimi. Après, je comprends Léa, parce qu'en vrai, elle est très mignonne, Léa. Elle est plus en fait, le gros cliché du petit ourson, tu vois. C'est pour ça, je pense que j'ai plus de mal, parce que je trouve qu'elle est pas originale, entre guillemets. Elle est hyper mimi, hein. Mais je trouve qu'elle est pas originale.
pour un ourson. C'est vraiment le cliché de l'ourson mignon, quoi. Grisa, je trouve, elle est plus... Elle a moins ce côté cliché, on va dire. Grisa est laide, tu te moques ou quoi? Elle est trop mignonne, Grisa. Il est fou, lui. Il est fou. Je me moque pas. Bah, si, moque-toi, en fait, parce que... Bah, ouais. Après, je rappelle, hein. Je fais un thème naturel. Bizarre. Mais oui, les deux sont mimi, hein. Les deux sont trop mimi. Bah. Y a pas d'habitants ou c'est moi là? Ça veut dire que là, l'autre parcelle elle est vendue? Oh my god! Attendez. On va aller voir, mais elle était vide tout à l'heure. Je laisse la prédit en attente au cas où. Il faut que tu t'étais. Ah d'accord, c'est un par... Ah oui, c'est un par jour. Pardon. Ouais, ouais, non, mais elle est censée être au milieu. Enfin, l'habitant est censé être au milieu. Mais ok, faut que je time travel. Ok, ok, alors on va têter si c'est ça. Merci Célène pour le follow, bienvenue. Hop. Hop, les, on va têter. Et puis on va voir. C'est vrai que c'est une chasse à l'habitant par jour, tu peux pas les enchaîner. J'ai publié une nouvelle photo sur Instagram, n'hésitez pas à aller la liker les petits loulous. Vous êtes trop sucrés vous, je reconnais. Je vais la mettre dans ma story parce que... Ta 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 ta, ça m'a fait super peur. Ta 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 ta. Just like crazy. Ça m'a fait super peur. Je pensais pas que ça allait mettre le son. Ah non, c'est quoi? C'est un chat? Ah non, ils sont trop mimi, les gifles. Mais c'est trop moche, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Don't proscreen... Pro... Oula. Procrastinate. Procrastinate. Je sais pas lire. Crazy. Ta 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 ta. J'ai le stream de Arvandor à côté parce que je veux toujours laisser mon lurk chez lui. Je tourne la tête, je vois un message qui me plaît pas. Comment je modère? Je suis en live et je modère chez lui hein, quand je tourne la tête, genre ça me termine. Genre ça y est, un moment. Multifonction ici, ça modère, écoutez, hein. Mon bébou, il est trop sucré au sucre, normal. Laisse les gens me saucer et... Je me fatigue. Va liveer là. Laisse-moi modérer, je travaille en même temps. Je fais un double travail en fait, je suis multi-action. Je suis multi-action, multifonction. Pour littéralement stream et modérer chez moi. Bah c'est quand je tourne la tête comme ça. En fait j'ai ton live. Enfin j'ai mon live et ton live et je vois, je tourne la tête, je vois ça. Après, à tout moment, j'arrive dans un moment où c'était ok, mais moi, j'applique le règlement du live, en fait. Trop multitâche, normal. Bon, allez, qui d'autre, là? Hop, hop, hop. On retourne en chasse, en fait. Attendez, parce qu'à tout moment, la parcelle, elle s'est vendue. Bisous, mon bébou!
C'est jamais ok. Ok, Sly. N'oublie pas de act like an angel dressed like crazy. Ah, c'est vendu. Bah, on peut pas faire de chasse. Et c'est neige. Merde. Bah, du coup, désolé, j'annule la prédiction. Bon, on a tous nos habitants. Bah, évidemment. Ah, mais c'est parce que Nico est venu. Du coup, est-ce que ça a pas pris les habitants de chez Nico? Du coup, ça a complété. Du coup, c'est neige. Elle est un peu mimi en vrai, je l'aime bien. Oh, c'est pas la bonne couleur. Moche neige, ça va en vrai. Je sais plus si les habitants, pour que tu les aies dans ta file d'attente, parce que là, je vais peut-être avoir tous les habitants qui sont partis de chez Nico. Je ne sais plus s'il faut que tu les aies... Enfin, que ce soit quelqu'un qui vienne dans ta ville ou que ce soit toi qui ailles dans la ville de quelqu'un. Non, non, je l'ai annulé, la prédiction. Donc ça vous a remboursé, normalement. Ça vous a remboursé. La fois, le grand homme, c'était pendant la vidéo. Sur Kalimnos avec Scooter. La dernière fois en random. De quoi? Sur Kalimnos? Ça date, meuf. Elle va comment, l'île? Elle est morte, non? Elle n'existe plus? Si? Lolo, il est presque aux 2 millions. En tout cas, la musique dans cette maison, elle est superbe. Hein. Elle est cool, hein? Elle est dans les fins fonds de l'abîme, je me disais bien, oui. Eh, tu parles de neige. Normal. On va ranger mes pommes. Je pensais que... Ah, mais j'ai pas cassé les trucs. Purée de pommes de terre. En fait. Bon, écoutez. Je propose... Voilà, je voulais faire ça. Nook Inc. Ok, 1000. Ah, c'est l'œuvre de Runard. Je vais la donner au musée. Qui est juste derrière. Hop. Ah, de la musique, Emma. Putain, j'avais pas capté. Bah c'était Nothing by Rien. Tu sais pas si tu connais, c'est un superbe artiste et tout. Donc voilà. J'avais pas capté, putain. On est trop premier degré, on t'a remis le titre. Ah, de la musique, my bad. Pardon, hein. Excusez-nous, on est un petit peu en décalé de la réalité à certains moments. J'adore cette musique, mais moi aussi je l'adore, je la trouve superbe. Elle est superbe. Purée, je connais pas, j'irai écouter chapeau chapeau, normal. Et si je peux me permettre, je dirais même chapeau, chapeau. Allez, Thibaut, tu veux pas mon tableau? Allez, hop. Oui, c'est fini, Fall Night, c'était que ce week-end. Trop ma musique du moment, bah normal. Je connais, bah ouais, normal. Et puis après, je crois qu'on était bon. Coucou Lucie, je suis deg hier, je me suis endormie, j'ai raté la fin. Oh non! Alors on a fini top 5 des cagnottes globales, c'est assez fou, et on a eu 4184,78€ dans la cagnotte, c'est énorme. Plus de 1000€ au-dessus de notre record. J'ai dû refaire des goals après. J'y croyais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je pensais qu'on allait faire 1500, 2000 gros max, mais vous avez vraiment éclaté les records quoi. Après, normal, vous êtes tellement slay. Normal. Je vais récupérer les cailloux, là, quand même. Je me dis, ça pourrait grave servir, on sait jamais. Ouais, bravo à tous, hein. Franchement, merci à tous les donateurs. Hein. Je pense qu'on se rend pas compte, mais... Bah, on a récolté plus de 121 000 euros, je crois, au total. En global, avec tous les streamers. C'est genre énorme. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point l'association va pouvoir agir et intervenir sur tellement d'actions et aider tellement de personnes. Ça va aider tellement de gens, tellement de femmes, etc. en détresse, c'est incroyable. C'est vraiment énorme, hein. Franchement, vous pouvez être fiers de vous parce que
Ce serait bien qu'il y ait ça tous les jours, quoi. Des dons énormes comme ça aux assos tous les jours, quoi. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Si jamais, n'hésitez pas à aller suivre l'association sur Insta ou ailleurs, hein, pour voir justement si vous avez donné ce qu'ils vont faire comme, comme action, ce qu'ils vont déployer comme projet, etc. pour aider. Je pense qu'ils vont faire des feedbacks dessus. Hein. En mode, ouais, grâce à l'événement, il y a eu ça qui a pu se faire, etc. Si jamais, je vous repartagerai si je vois des trucs passer, parce que je trouve ça vraiment trop intéressant. Ah, c'est vrai, Louison ? Peut-être, en vrai. C'est grave possible. C'est grave, grave, grave possible. Ah, faut que j'aille rembourser mon prêt, c'est ça que je voulais faire. 21 147,99€. On aurait pu donner un centime de plus, quand même. On a pas d'être ça, là. On n'a pas d'être ça. Enterré. Hop là. Cote, 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 la poule est là. Mais non, c'est Annie Dingo. Elle est venue voir Coquette, mais normal. Elle a tellement raison, Annie Dingo, franchement. Re-Zoé. Plus le niveau est élevé, plus le nombre de visionnages se rajoute. Se rallonge. Ouais, bah oui, c'est sûr. Hein. Après, à tout moment, je clique sur un bouton, je reset tout, là. Manquerait plus que ça. On va aller voir à la boutique, puisqu'on a time travel aussi. On va utiliser le DAC. Rembourser le prêt. Ce sera notre premier prêt remboursé. Avec des clochettes de notre poche. De notre poche. Ça, c'est cool. On va pouvoir agrandir notre maison. On peut plus voir le classement global. Si, tu fais top. Et t'as le lien. Et t'es top 1, je crois, Lolo. Hein. T'es top 1, t'es level 479. Et Sheymok est top 2, 440. Après, c'est Zabou. Qui a soit presque... Qui a quoi? Qui a 56 levels de moins. Quand même. Donc il y a un énorme fossé, là. Les premiers, vous êtes tellement dans le top. Il y a Lox qui m'a parlé d'un truc. Et c'est vrai que c'est vraiment pas bête. Il m'expliquait que tu pouvais perdre des niveaux. Et je pense que je vais installer ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont dans le top depuis super longtemps, mais il y a des gens bah, qui galèrent, qui arrivent et qui galèrent à les dépasser. Je pense que je vais installer un truc qui fait que si vous passez pas, vous perdez de l'XP. Et donc des niveaux. Comme ça, les autres ont leur chance et c'est beaucoup, beaucoup plus équitable. Je trouve ça plus équitable en vrai. C'est plus logique. Oula, ça bug ce truc. Je vais finir level 2. Bah après, je vais pas baisser les trucs de zinzin, Feno. Ça va être très 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 peu, mais... C'est dans quoi, ce genre de truc? C'est dans widget, non? Non, c'est pas là-dedans. Interaction? Rank et level. Fais voir. Configuration principale. Commande top, attribution de l'expérience. L'attribution se fait au moment où le viewer écrit un message avec un délai d'une minute. Ah! Si vous mettez un message toutes les minutes, vous prenez 38 d'XP. Toutes les 10 minutes... Si vous, toutes les 10 minutes, vous avez 230 d'XP. Donc ouais, plus vous parlez, plus vous avez d'XP. 38, j'ai vraiment mis un truc au hasard, hein, ça se voit. Ah, t'arrives pas à charger la page, Lolo? Ah, mais faut que j'ai plus aucun panneau, là. Attendez, enfin, si, j'ai pas les bons panneaux, justement. Faut que je remette mes panneaux. Non, c'est toutes les minutes, Ryan. T'as 38 par minute, quoi. À propos de ma maison... Et on va faire l'inauguration, aussi, tant qu'à faire. À propos de ma maison... Et on va faire l'inauguration, tant qu'à faire. À propos de... Ça m'a fait peur. Je voulais faire... Oui, je voulais les panneaux. Parce que du coup, je suis encore sur les panneaux de l'event. On va les enlever quand même. Enlever. Enlever. Act like an angel, dress like crazy. Ta ta la ta.
Allons-y, Tom Nook, hein. Soyons fous. Je vais remettre mes panneaux, là, en même temps que je vous parle. Désolée, je vais être un peu concentrée sur ça. Ajouter des panneaux, ajouter une image. Hop. Je sais pas où ils sont. Exemple... Ça doit être dans Twitch. Panneaux. Ce qui me paraîtrait assez logique, hein, finalement, quand on y réfléchit. Allez, toujours du rose, Tom Nook. Je parle pas de phénomène, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je les mets dans le désordre, je les remettrai dans l'ordre plus tard. Toutes. J'envoie les panneaux. Et on va faire l'inauguration. On les fait jamais, écoutez, franchement. Oui, j'avoue. Mais un panneau de stream. Désolée. Vous vous rappelez dans l'ordre que je les avais mis ou pas? Je m'en souviens plus trop. Bah vas-y, on fait le musée. Et c'est quoi le reste? C'est ça, je crois. Ah, le règlement. J'ai 5 panneaux en tout. Je vais en faire un 6e, je pense. J'ai pas mis d'image, mais c'est ça le dernier du coup. C'est ça. Fais voir, ça ressemble à quoi? Bah super la caméra là. Un bel angle. Eh oh, c'est absolument pas dans l'ordre. Celui c'est censé être le premier. Et après c'est censé être le panneau de ça. Ok, j'accepte. Trop la petite musique du début là. Ça c'est censé être tout dernier. Ça c'est vraiment censé être avant. Donc ça c'est censé être le deuxième. Ça le 3. Vas-y, fais voir là. Badge de bits, le règlement, les composants et les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Ok, et je vais mettre... sur les réseaux, la chaîne YouTube. Ok, tout en bas. Et comme ça, on sera bon. Voilà. Désolée pour ce petit moment. Ah ça y est, Grisa, elle est là carrément. Elle a été en emménagement, elle est sortie de chez elle pour faire l'inauguration. Tom Nook, il est dans Tibou, non, là, j'ai l'impression. On est fort, ma tête de cochon, là, avec mon groin, là. Tellement bien imité, en tout cas. Et oui, du coup, c'était quoi? Diminution. Ah mais vous perdez déjà de l'XP en fait. Vous perdez tellement peu, vous perdez genre 1 d'XP. Délai minimum avant la diminution commence 5 jours. Ok, en fait vous perdez déjà mais vous perdez genre 1 point d'XP quoi. Fréquence des diminutions d'expérience pour les utilisateurs inactifs non présents sur votre chaîne. Toutes les heures. Ok, bah ça peut être ok. Et les level up. D'ailleurs, je paye ça, je peux changer. Et merci à Nora pour les 100 bits, merci beaucoup. Miam, 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 miam. Toutes les heures, je vais mettre. Bois de l'eau, gouttelette. Bon, on peut faire ça, allez, bof, on ferme ça. Hop, les. Merci pour le bois de l'eau. Salut Eva qui est en train de faire du sport là.
plaît. Ok, je vais me permettre de déraciner les fleurs que j'ai plantées aussi parce que je vais pas les garder celles-ci. Et je propose pour qu'on commence à essayer de faire des hybrides aussi, tant qu'à faire. D'où Jésus les pensées rouges. D'où Jésus, c'est bien le cas de le dire. Vraiment le perso, hashtag Peppa Pig trop coquette, j'avoue hein. C'est un peu Peppa Pig le perso. J'avoue, j'avoue. Salut Inès, comment ça va? Ça va se casser ma pelle là, bientôt. Mais ça en vrai, je vais en garder quand même quelques-unes. Je vais juste les mettre par là quoi. Je vais enlever les autres. Genre ça. Ça va bien, merci. Ça va, ça va. D'ailleurs qu'il y a mon île. Ouais, mais j'ai envie de faire des trucs, tu vois. Pourquoi? Quoi? C'est la honte. Vous respectez rien. Hein. C'est désastreux. Vous êtes con. Vous êtes con. Ah, j'ai des miles. Play. C'est la meilleure idée que j'ai eue de mettre clavier en anglais sur mon tel. Maintenant, j'ai plus le correcteur qui corrige les E en T. Ouais, mais du coup, ça te corrige plus les trucs en français. Enfin, en français, non. Salut Drift, comment ça va? Touchez votre nez, c'est l'heure du nez. Il pleut grave, là, purée. Je sais pas combien d'utilisations de pelles il me reste, mais j'espère pas des masses. J'ai une fleur bleue là, mais je vais la vendre, elle va pas me servir. Oui, Drift, dis-moi. À la place de... Les gars, à la place de me dire j'ai une question, posez votre question. Parce qu'à tout moment, votre question, je la loupe. Genre là, je vois votre message qui dit j'ai une question, mais je verrai peut-être pas le message qui dit la question. Donc dites-la direct. Arrêtez de demander j'ai une question, est-ce que je peux la poser? Genre, si vous avez des questions, posez-la. Y a aucun souci. Allez, direct, droit au but. Échanger, je vais aller vendre les fleurs. Hop là. Trop de trucs d'adultes là aujourd'hui. Ah, c'est vrai, quel enfer. J'ai fait mon linge aussi ce matin là. J'ai vraiment, mais genre, j'ai rempli la machine à laver de fringues et tout. Et je me suis dit, putain, mais elle va jamais bien tourner, ça va être l'enfer. Au final, ça a été. Et je pensais que j'allais mettre une heure à tout étendre ce matin-là. J'ai pris le temps de tout enlever les habits qui avaient séché, alors que d'habitude, je les laisse grave longtemps. Au final, j'ai rempli que la moitié d'une tour... Enfin, d'étendoir, là. Que la moitié. Je m'attendais à largement plus, mais en fait, ça va. Mais bien sûr, Chachouka, bien sûr que oui, en fait. Et merci beaucoup, Mayua. Merci beaucoup pour tous vos primes. Vous avez archi raison, c'est gratuit. D'ailleurs, le mien, faudrait trop que je le réutilise. Là, je sais pas où il est. Je sais pas chez qui il est, mon prime. Merci beaucoup, en tout cas. Je sais pas quelle est ma date de prime. Chez Emma, elle m'envoie plein de messages vocaux. Je sais pas ce qu'elle veut me dire. Ça m'intrigue. Je pense qu'elle me dit qu'on est trop coquette. Après, non. Je pense qu'on est good. La honte de pas savoir où est ton prime. Mais je sais pas où je l'ai mis, en fait. Ah, voilà. Qu'elle est fan de Polito. Mais je pense qu'elle veut pas dire ça, non. Je pense qu'elle veut pas dire ça. Je pense qu'en fait, elle aime pas dire ça.
Merci beaucoup en tout cas pour vos rires, ça fait plaisir. Merci, merci. Hop. Hop. Normal aussi, normal. Bon, je sais pas si la personne elle m'a posé la question, du coup je l'ai pas vu passer. C'est terrible hein, quand je vous dis que vraiment on voit pas. C'est vrai quoi. Elle a trompé Polito avec Lydie, on se souvient, c'est vrai, tu dis grave les termes. Mais ça je l'ai déjà. Placé. Oh, elle est trop belle la couleur du dessus là. Trop jolie. Je les mettrai plus tard au musée. Bon, on va finir d'enlever les mauvaises herbes et tout là parce que c'est vraiment le bazar. Mais j'ai plus de pelle, c'est trop la honte. Je crois qu'il me restait plus que ici, non? C'est pas ça que je voulais faire. Trouver ton prime. Jpeps. Mais je crois qu'il était... En fait, j'ai pas trop capté parce que... En fait, il me semblait l'avoir utilisé, je sais plus où. Et pareil, là, il m'est arrivé un truc trop bizarre. Je mettais sub chez Horty avant ou pendant le The Event, je sais plus, pour avoir les emotes, pour participer au chat et tout. Je crois que c'était avant. Et j'ai reçu un message de Twitch... qui me dit l'abonnement qui vous a été offert chez Horty a expiré. Mais c'est moi qui me suis sub. En fait. Donc, pas compris. Pas compris du tout, en fait. Ah, c'est un bug, ok. Vous aussi, ça vous l'a fait? Non, je pense que... Je pense que j'avais mon... Bah non, le 25, c'est chez qui que j'ai utilisé mon Prime, le 25. J'ai désactivé le réabonnement automatique, oui. Oui, oui, parce que j'ai jamais le temps de passer. Elle stream tout le temps en même temps que moi, Horty. Je voulais vraiment, pour l'event, avoir les émotes. Je sais pas chez qui je l'ai mis. Ça marche pas, Zabou? Ah non, c'est pour les modos, je crois. Si, c'est bon, c'est pour les modos. Salut, Lily! On a fait tout en haut, là? Ouais, on était bon, non? Non, on n'avait pas fait ça. Je pense que c'est un bug. Bah, je pense, ouais, du coup. Pareil, quand je me suis abonnée pour 6 mois ici, j'ai reçu un mail comme quoi ça... j'avais décidé de stopper mon abonnement. Mais pour me dire que c'était fini, le lendemain, un mail comme quoi j'avais été abonnée. Bah alors? Parcours client est bizarre. Ouais, c'est un peu louche, hein? Je comprends rien à leur truc là. Non, j'ai pas fait de tuto étoile filante. Bah, y a pas de tuto à faire, hein. C'est juste tu dois attendre qu'on te dise étoile filante. Ou qu'il y en ait sans que Marie te dise qu'il y ait des étoiles filantes. Y a pas de tutoriel hein, pour les étoiles filantes. C'est quand elles sont là quoi. Je sais pas ce que je pourrais faire de plus. Faudrait qu'on récupère les fleurs. Ouais, c'est ça, votre abonnement a expiré, ouais. Faut jouer deux nuits, ouais, aussi, sinon... deux jours, c'est un peu plus complexe. Si je peux me permettre... J'ai plus de pelle, hein, on est d'accord. Ah non, je l'ai cassé. J'étais en train d'enlever les mauvaises herbes ici. Non, pas du tout, j'étais au-dessus. Ok, donc c'était ici que je me suis arrêtée. Merde, j'en étais sûre. Je déteste quand ça m'arrive. C'est un peu une fonctionnalité de merde, hein, la cueillette de fleurs, là, de bourgeons. C'est vraiment nul comme truc, je trouve. Oh là là.
ça fait chier. Voilà, exactement. T'inquiète, Numap, t'aimes pas? Moi, je trouve ça superbe pourtant, donc... je trouve ça louche que t'aimes pas, mais bon. Je peux comprendre, hein. Y a pas tout le monde qui peut aimer. Pas tout le monde n'a de goût vestimentaire. Vous aimez pas ma tenue? Bon, je le trouve cool. On va aller voir chez les sœurs d'Oiseau, peut-être qu'il y a une nouvelle tenue pour aujourd'hui qui pourrait être un peu mieux. En vrai, le pantalon et les chaussures, c'est cool, mais c'est vrai que tout le haut... Bah, ça fait très rose, là, mais... Élément par élément, c'est sympa. Mais je voulais aller voir pour les codes, je voulais aller chercher ma robe, c'est ça que je voulais faire. Faites-moi y penser. Là, on fait les mauvaises herbes et après, on va chez les sœurs d'Oiseau, ok? Merci, Maureen, pour le follow. Bienvenue. Ah ouais, la robe de Marie, là, elle est trop mignonne. Je vais toutes les prendre, en vrai. Même le drapeau, comme ça, on le change. On va aller faire celle-ci, là. Désolée, je baille. Parce qu'il y en a pas mal, là, aussi. Maureen, j'espère que tu vas bien. Il est mignon le bruit quand tu ramasses. Je le trouve mignon. Oh là là, il y en a tellement, j'en peux plus. En vrai, ça va, ça va. C'est qui Koali? C'est... C'est pas Koali. Salut Pichi. Comment ça va? Pendant une heure, je pense qu'il est moins mignon. Ça va en vrai. Oui, je trouve Mimi. Je te trouverai Mimi toujours, t'inquiète petit loulou. Écoute pas le chat. Le koala violet, c'est Koaline, pas Koali. Koaline peut-être dans ce cas. Mais n'hésitez pas à demander sur le Discord pour ça si vous voulez, enfin si vous avez des habitants en carton ou quoi plutôt. Que dans le chat, c'est pas une place de marché parce que si tout le monde commence à s'y mettre, on n'est pas fini. C'est un koala orange. Il n'y a pas de koala orange qui s'appelle Koali. Il y a un koalala. Je sais pas d'où tu sors ton koali, mais ça n'existe pas, ça. Salut Eryx, comment ça va? Il y a Colette. À la rigueur. Ah, Colette, ok. Bah, n'hésite pas à demander sur le serveur Discord, il y a peut-être des gens qui la cherchent, ouais. Colette, elle est assez mimes, donc ça m'étonnerait pas. Tu m'aurais dit, il y a Gertrude qui part, je t'aurais dit, bon, demande pas, va. Bonsoir Axou, bonsoir. Salut Fadou, comment ça va? Merci beaucoup. Merci à vous encore hein, pour l'invite. Un vrai plaisir, mais pareil, tout pareil pour moi. Vous êtes trop mimes. Trop chou, c'était trop incroyable l'événement là. La commu était trop au rendez-vous, ils ont grave dépassé les compteurs. Je pensais qu'ils feraient genre 1500, 2000 et ils en sont montés à... 4184,78€. Alors, comment dire que je suis abasourdie? Ils ont été trop forts, ouais, pour une belle cause en plus. Hein. Encore bravo à tous. Hein. Vous avez vraiment géré, franchement. C'est incroyable. C'est trop bon. Et puis 121 000, quoi. Ça, c'est fou. Hein. C'est beau de voir genre que les events ils grossissent au fur et à mesure des années et puis qu'au final, ça devient des plus grands, enfin, des plus en plus gros events et qu'au final, les. Ça récolte de plus en plus, et chaque année, c'est toujours
sais, on était parti pour 75 000 d'objectifs. Au final, ça s'est transformé dans les 100 000 et on les a passés les 100 000 avant même la... Enfin, au tout début de la soirée. C'était fou. C'était fou. De mieux en mieux, ouais. À chaque fois, ça surpasse les espérances, quoi. C'est incroyable. Ouais, voir les évolutions de fou, hein. De fou, de fou. L'XI, elle doit être trop contente. Puis toute l'orga aussi, hein, le staff et tout, franchement. C'est de voir que tu t'investis pendant très très longtemps, pendant beaucoup de mois, dans tout un projet comme ça, un gros projet comme ça, qui demande du temps, beaucoup d'implications, etc. Et de voir qu'il y a des telles retombées, enfin franchement, ça fait trop plaisir, quoi. Incroyable. Ouais, de fou, hein. On aimerait que ça n'ait pas besoin d'exister, mais bon. Malheureusement, on n'a pas trop le choix, quoi. Allez, on fait la dernière petite partie de l'île, là. Et après, on va chez les sœurs doigts de fée. Chez les sœurs doigts de yep. Et puis, on avance tout ça. Et bravo à tous encore, hein. À toutes et tous. Vous avez été trop forts. Vous avez été trop forts. Je pense que ça restera gravé. En fait, je suis super étonnée parce que... En fait, je m'attendais pas du tout à ça pour un event où j'étais en distanciel. Enfin, au niveau de la cagnotte que vous avez récoltée, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit que le fait qu'on soit, enfin, que je sois en distanciel, ça vous ferait moins donner, entre guillemets, parce qu'on serait moins dans le mood de l'événement. Mais je pense que le fait que tout le monde soit en distanciel, bon, ça a joué un petit peu, tu vois. Mais je sais pas, en fait, je m'attendais pas à ça du tout, du tout. Vous m'avez vraiment impressionné, franchement. Puis c'est tellement pour une belle cause, en plus, que... D'un côté, ça m'étonne, mais d'un côté, même pas, parce que... Genre, la cause est tellement incroyable. Elle est tellement nécessaire que... Ouais, tu trouves, Zabou? Bah, en vrai, je trouve que c'est pas pareil. Enfin, tu vois, pour les... J'ai fait deux events en présentiel et deux events en distanciel. Je trouve quand même qu'en présentiel, tu... Enfin, en tant que streamer... Pour le chat, je sais pas si c'est pareil ou pas, parce que... Tu sais, tu te sens un peu, entre guillemets, triste de pas y être... De ne pas pouvoir voir ce qui se passe sur place, etc. en tant que viewer, je trouve. Mais le fait d'être sur place en tant que streamer, ça te met deux fois plus dans l'ambiance, je trouve, parce que t'as tout le monde autour de toi qui est super hypé, etc. Tu vois. Depuis 2 ans, c'est vrai? Incroyable. Je sais pas pourquoi encore fait 2 ans. J'ai prévu ici. C'est incroyable, Satine, c'est incroyable que tu penses à le faire. C'est trop bien. Encore merci énormément pour tous tes dons, Satine, tous les 50 balles que t'as lâchées là, c'est incroyable. Tout ce que tes dons, toute la somme de tes dons réunis, tout ce que ça va pouvoir... Enfin, ça va pouvoir aider tellement de personnes, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup pour ça. À chaque fois, c'était bon, allez, le dernier. Hein. Puis, ah, allez, encore un. Et puis, ah bon, c'est le dernier. Et puis, allez, oh. Incroyable, quoi. J'en ai plus d'autres, je pensais que j'en avais plusieurs. Je pensais en avoir plusieurs, mais c'est pas grave. Et je voulais aller chez les sœurs doigts de pied. Et je voulais aller chercher les codes. Donc je vais aller rouvrir mon Pinterest. Et je vais aller regarder les codes. On va dire regarder dans les tenues classiques pour voir s'il n'y a pas des chaussures ou ce genre de trucs. Coucou Lulu, comment ça va? Tu vas bien? Moi ça va bien, merci. C'est important, bah ouais, bah surtout pour ce genre de cause-là. En fait, t'as tellement pas envie d'être dans ces situations-là, tu vois. Parce que là, on parle de tout type de violence, hein, que ce soit sur, enfin, pour les femmes, que ce soit pour les jeunes, que ce soit dans la communauté LGBT, qu'il y a plus. Il y a tellement de violence tout le temps au quotidien. C'est... ça va? Vous avez fait quoi ce week-end? Non, c'est vrai. Pour être sûr, c'est bien en vrai, parce que ils vérifient quand même et ils suivent quand même... Entre guillemets, au cas où il se passe un truc, t'imagines, c'est pas toi qui es derrière tout ça. Ça la fout mal un peu quand même. Salut Goxy, comment ça va? Comment vas-tu? Ah, bah c'est pas elle qu'il faut que je parle, je suis bête ou quoi? Bon, je lui parle quand même, mais... alors, au niveau des tenues... alors, je voulais... Ça... La robe de Tom Nook là. Trop mims. Et comme drapeau, on avait trouvé quoi? Je vais vous montrer, de toute façon, je vais les scanner. Enfin, les mettre. Cette robe-là. J'ai pas trouvé d'autre drapeau que ça, là. J'ai un petit chat.
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme drapeau? Oh, j'ai ça qui est trop mimes. Ah, je vais prendre ça comme drapeau pour l'île. Ok. Salut Shaymo, qu'est-ce que tu m'as envoyé sur Insta? Tu m'as dit qu'on était coquette ou quoi? C'est différent car tu n'as pas eu le mood de l'environnement, l'ambiance des lives des autres, etc. Et pour nous... Que... Ouais, c'est ça, oui, c'est clair, j'avoue, Zabou, t'as pas tort. Hein. Tu n'as pas tort. Salut Nuria, comment tu vas? Et comment ça va, Shaima? T'as passé une bonne journée? Relolo. Alors, on va prendre le premier code, vous allez voir, il est trop mime. C'est un t-shirt avec un petit nœud super coquette. Je pense que je vais essayer d'utiliser les baguettes magiques un peu, là. C'est un truc que je fais plus du tout, parce que je trouve ça un peu chiant à utiliser, mais... Là, si je veux faire plein de tenues qui sont déjà faites... Why not, quoi? Toc toc, ça m'aspire à chaque fois, j'avoue. Coquette. Trop mignon, regardez. Trop chou. On aurait grave pu le faire, mais... On n'est pas des artistes, en fait. Ok. J'ai dit que vous étiez trop coquette, tu prévenais un truc par rapport au DM Insta qui fonctionne pas. Ah ok, d'accord, bah, j'irai regarder alors, je regarderai ça après. Sur des cours. Mais j'ai Sunper pour me chercher. Oh non. Du coup, t'attends. Oh, j'ai la flemme, il y a trois codes différents, je pense que c'était le même ça. Ok, ça c'est le même, donc on va pouvoir prendre. Trop nul, Shaymo, tu dois attendre. On va t'occuper en attendant, t'inquiète, on va te faire passer le temps. Ça va, il fait pas trop chaud encore? Dans 20 minutes, c'est la battle de rap. Normal. Oh, il y a plein de motifs aussi, là. C'est Mimi. Oh, ça, c'est un peu Mims. Je vais le prendre. Oh, il y avait un motif trop Mims pour le visage. Ça, là. Trop chou. Je vais le prendre. Si, super chou, il fait 34 cet après-midi. Oh là là. C'est ouf en vrai, hein. Nous là on se tape des petits trucs. Moi je suis re en pull là. J'aurais pas pensé, tu vois. Oh non, batterie faible, c'est une blague. Qu'est-ce que je cherchais? C'est quoi que je cherchais? Elle est où la robe? Elle est là. Trop mimes. Il fait 34 mais sans le 3. Ouais, vraiment. Je suis en t-shirt, j'aurais aimé être en débardeur. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Avec des chaleurs comme ça, c'est pas étonnant. Hein. Ça c'est comment? Ouais, c'est trop fraise. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Plaid blazer. Et puis ça, on l'a déjà fait plein de fois. Enfin, on l'a déjà pris plein de fois. Mais vas-y, je le reprends. Enfin, plein de fois, je l'avais juste sur Akomon. Je suis grave une menteuse. Oh là là, ouais, il fait frais. Hein. 34, quoi. Et regardez ça, comment c'est trop mimi. Je vais grave le mettre. Je vais grave le mettre. 60. 95. 39. 26. Bah, Fall Knight, qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu ton compte? Oula, sympa ça. Je vais hurler, ce trop mimes. Adorable. Go travailler. Chez Tom Nook. Mais ça, j'adore. C'est quand le changement d'heure? Oh non. Dites pas le changement d'heure. J'en veux pas. Dans 3 semaines. Oh non. On va faire nuit à 16h là, je vais lancer les lives, il fera nuit. Pitié quoi. Je vais finir par l'arriver à midi. La nuit, même à 16h hein, l'année dernière, il faisait nuit, il était 16h30. C'était abusé. Oh, trop mignon, il y a plein de tenues. C'est Mimi ça.
mode nurse. Je partirai au taf, il fera nuit, je rentrerai, il fera nuit, mais c'est clair. Les journées, elles sont tellement courtes en plus quand il fait nuit comme ça, là. C'est un peu mieux, ça. Le jour de 6h à 20h. Mais j'adore, moi. En vrai, je pense que c'est en partie pour ça que j'aime bien l'été et que je préfère l'été. C'est vraiment pour la longueur des journées. C'est vraiment un truc qui me trigger de fou. Qu'il fasse nuit. Tout le temps, quoi. Je déteste ça. Ça me trigger, genre ça me rend mal, quoi. Ça me met mal à l'aise de fou qu'il fasse aussi, enfin, qu'il fasse nuit aussi tôt. Encore, moi, ça va parce que je travaille de chez moi, mais je me rappelle que quand j'allais au travail ou quand j'allais en cours, je me levais, je partais au travail ou en cours, il faisait nuit. Je revenais, il faisait nuit. Je ne voyais pas le soleil de la journée, quoi. T'avais l'impression d'être... Enfin, je sais pas, genre, je déteste ça. Le train, la nuit, non, à l'aide, hein. On sent... Ouais, c'est ça, on se sent grave étouffé, je suis assez d'accord. Oh, il y en a plein, là, des trucs. En fait, je voulais ça comme drapeau. Mais ça, c'est trop mignon. Ou ça? Ça, c'est trop mimi si je vais prendre ça. Pour le drapeau. Trop mignon. Mais il y avait ça aussi que je trouvais trop chou. Trop chou les petits motifs, franchement. Mais c'est plus pour de l'urbain, les autres motifs. Je vais peut-être pas les prendre. Elle a pas fait de tenue. C'est mignon ça, welcome comme ça. Vas-y, je prends ça. Je trouve ça chou. Je voulais prendre l'autre truc, mais... Allez. Oui. Aïe. Oh putain. Non, le train la nuit, c'est un... Ah non, j'aime pas. Parce que dans... En fait, dans le train la nuit, les lumières, elles sont... Ah merde, fallait pas que je sorte. Fallait que je regarde les chaussures. En fait, t'as la lumière jaune au-dessus de toi, là. Tu vois rien dehors, tu peux même pas regarder par la fenêtre parce que tu vois que dalle vu qu'il fait nuit. Moi je trouve ça trop triste quoi. Ça fout trop le moral dans les chaussettes je trouve. Je déteste ça, je vous jure. Quand j'aurai de l'argent, je passerai 6 mois dans l'hémisphère nord et 6 mois dans l'hémisphère sud pour ne pas vivre de nuit. Après bon, il y a tous les trucs qui vont avec les hémisphères. Hein. Faut y penser aussi. Hein. Le bilan carbone, moi j'avoue, aussi. C'est sûr que bon. Le loup. Masque de balle. Go prendre les chaussons. Et en vrai, je vais quand même prendre les collants. J'aime bien, hein, t'as vu, il slaye le nez Peppa Pig. Nico. Je vais enlever les notifications, c'est chiant. Ah mais c'est vrai, je l'ai l'appli. Joseph, tellement tiers les applis. Le guide insulaire. Le guide insulaire que maintenant tu as directement... Avant tu pouvais... Enfin, sur Akomoun, je sais que j'ai dû l'acheter à la borne. Coucou Nana O'Shea, comment ça va? C'était trop cool, ouais. Ça va très bien et toi? Comment tu vas? Bon alors attendez, est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je me change quand même? Merci Beauty pour ton follow. On va mettre ça. Porter maquillage. Ah mais ça fait bizarre sur les joues. Eww. Ah mais on dirait que j'ai des gros boutons genre. Trop, trop mignon. Faut vraiment que je crafte un... Attendez. Je vais récupérer ça.
T'as grave une crotte coquette sur la télé. Pourquoi une crotte? J'ai dead mon éval de maths, mais slay. Bah tu vois, toi qui étais un peu en mode « j'ai peur de pas trop réussir et tout », tu vois. T'as géré, au final. Après bon, est-ce qu'on en avait douté vraiment pas? Salut Vic, comment ça va? Je vais en garder quand même quelques-uns des... Je vais en prendre plusieurs. Écoutez. Hop. Et tout le reste, c'est à vendre ou à expertiser. Alors. Je vais enlever. En fait, ça me dégoûte. Le maquillage, il est trop moche. Non. Je voulais pas faire ça. Salut Luan, comment ça va? Salut Beauty, vous savez comment on fait pour faire des demandes d'amis sur Animal Crossing pour qu'on puisse solliciter les îles des autres? Il faut que tu aies les codes amis. Si jamais, il y en a plein sur le serveur Discord. Si tu veux ajouter des gens en amis et tout. On a un salon qui s'appelle Code Amis exprès pour que vous puissiez échanger vos codes amis avec les autres pour pouvoir découvrir des gens et bah, jouer avec d'autres personnes. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vais crafter un miroir, mais attendez, il me faut quoi pour faire un miroir? Mais ça va bien, merci en tout cas. Il faut du bois et une pépite de fer, ok. Ça va super même, et bah tant mieux alors. C'est une bonne news. Pépite de fer. Je vais crafter le petit miroir. Salut Clara! Normal Nanou, je t'ai vu, elle slay tellement. Et tu le verrais comment, Nico, à deux? En mode on visite tous les deux l'île? Ça pourrait être stylé en vrai. C'est vrai, hein. Hop. Mais c'est trop moche chez moi. Faut que je change ma coupe de cheveux. Coquette comme tout. Eww! J'apprécie. Il faut que je mette un maquillage, mais... Je mets quoi comme cheveux? Non, en vrai, vas-y, je mets ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas mise. Mignonne un peu. J'ai trop trop chou. Qu'est-ce qu'il dit Nico? Ça te triggerait pas? Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. T'as raison, franchement, faudrait que je lui en parle, faudrait que je lui demande. Mais franchement, pourquoi pas? Pas crête comme tout, c'est vrai. La troisième cerise de ton look. C'est moi! Les cheveux rasés, j'avoue, Béranger, t'as raison. Oh, Assis, bonjour. Oh, lui, je le déteste. Je vais lui parler pour qu'il parte. Je vais parler à Serge, je sais plus. Une amie. Depuis combien de temps vous vous connaissez avec Slay en personne? Ouais, les 3 étoiles, on les a eues hier et tout. Hein. Alors, j'en ai 9. Il y a Grisa qui s'installe là. Et demain, il y a Neige qui s'installe aussi. Tu peux la... Bah, je sais pas, je l'aime pas tant que ça en vrai. Je l'aime pas tant que ça, j'avoue. Je vais aller acheter des pelles parce que j'ai plus de pelles. Ça serait bien qu'on ait des pelles. Mais j'avoue, les cheveux rasés, franchement, j'y pense. Hein. J'y pense. Plonger l'eau. Ouais. Je vais éternuer. Slay. Putain, ça me... Moi, je dirais plus un mulet pour toi. Merci. Pour tes souhaits, hein, pas pour le mulet. Merci pour les tes souhaits, vous êtes mimi. Désolée, je vous ai peut-être tué les oreilles, je sais pas. Bon, je fais un test aujourd'hui avec une nouvelle qualité de micro. J'ai pas mal touché les réglages.
En espérant que ça aille, je pense que ça va, mais j'arrivais pas à voir, donc je pense qu'il faut vraiment que je regarde. Qu'il faut que je regarde la rediff pour voir comment le son est. Et pour tester. Plus une calvitie. Merci. J'avoue. C'était un peu la vibe. Et puis elle est un peu moche hein, quand même. En vrai, je propose qu'on time travel. Hein. On va aller voir de nouveau la boutique. Hop, on va faire un peu le tour. Il est quelle heure? Ça fait déjà 3 heures qu'on est en live, purée, c'est passé vite aujourd'hui. C'est passé super vite aujourd'hui le live. Enfin, le live. Bois de l'eau, gouttelette. Bois de l'eau, gouttelette. Merci, Irix. J'ai plus de batterie, faut que je les recharge. Dans le son, mais bon. Ok, bah tant mieux. Alors, si vous voyez pas trop de différence, c'est que c'est pas dégueulasse, quoi. Parce que si vous voyez une énorme différence, c'est que ça a un gros changement et que c'est peut-être pas le mieux. En fait, normalement, là, j'ai enlevé les... Je sais pas comment... En fait, je ne sais pas du tout comment expliquer le bruit que ça faisait. Mais en fait, sur la courbe, ça montait et ça... Pas ça crépitait, mais le son, il croustillait. Un peu. C'était un peu comme un son de radio. Et normalement, là, je l'ai beaucoup plus lissé. J'ai vraiment hyper atténué le son de radio, en fait. Oh, je regarde, j'ai reçu une notification d'appart. Là, ça fait, je sais pas, peut-être une semaine que j'ai pas réellement regardé les appartements. J'ai une notif, là, donc je regarde vite fait aussi. Mais c'est tout le temps les mêmes, en fait. Ils sont remis en boucle. C'est... Je scroll, je vois 3 fois le même, quoi. Ils remettent, je sais pas combien de fois, la même annonce, en fait. C'est un peu chiant, en fait, là. C'est... Oh, et puis là, le carrelage, il est horrible. Et la batterie, stop, la batterie. Faut que je parle à Neige. Je pense qu'elle doit venir de chez Nico, hein. Parce que, enfin, c'est bizarre qu'elle soit venue directement après qu'il soit venu. C'est que des trucs que j'ai déjà vus. Ça fait presque une semaine que je suis pas allée sur le bon coin, là, pour voir. Et c'est tout le temps les mêmes appartes. J'ai vendu dans la truc. Il y a que dalle, franchement, c'est honteux. Ouais, sur le bon coin. Ils font tout ça, c'est horrible, mais vraiment, c'est trop chiant. Je suis grave pieds dans le sable, là, en mode pauvre. Ah oui, c'est vrai que j'agrandis ma maison. C'est vrai, c'est vrai. Oh. J'ai un objet trouvé. Je crois que je l'ai eu, Neige. Ah, on va aller voir, on va aller lui demander. Le bruit de mes gros pieds, là. On va aller lui demander, hein. À tout moment, elle vient de chez toi. Me dis pas, je sais pas si... Peut-être que ça n'a rien à voir avec Nico. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Elle m'aurait dit sinon, donc elle vient pas de chez toi. En vrai, elle est mimi, hein. Elle est jolie, elle est pas moche en vrai, je trouve. Hop, les mails, on prend tout. Ok. En tout cas, chez elle, c'est... C'est quelque chose, hein. Une de mes îles, je sais plus laquelle. Après, je pense qu'on l'a tous eu. Hein. C'est qui l'habitant que vous avez le plus eu sur votre île? Genre, tiens, en aléatoire ou quoi, là? Est-ce qu'il n'y a pas un habitant qui s'est tout le temps incrusté comme ça?
civet. Chico de merde. Moi, c'est Guido, c'est vrai? Moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que j'en ai un qui s'incruste plus que d'autres. Bif. Colala. Je le déteste, Civet. Civet, je le trouve un peu mignon. C'est à Apollon. Bah, il est juste à côté, super. Ah bah... Personne, tout pareil moi. Ouais, c'est un peu aléatoire hein, en vrai. Ce compte civé. Arrête le pauvre, il est gentil. Tu as été banni, non? Pourquoi? Et en fait, c'est... dites-vous, si vous êtes banni, vous pouvez plus parler, hein. Si vous êtes ban, vous pouvez plus mettre de messages dans le chat. Donc vous le saurez si vous étiez ban. Tu veux te faire bannir? Lolo qui pose la question. Tu veux te faire ban? Je peux, hein. Ah bah pardon. Je pensais t'avoir dit bonjour. Mais si, je t'ai dit bonjour. À moins que ce soit pas... toi, Alicia, ou peut-être à une autre Alicia. Désolée si je t'ai loupé. J'étais sûre de t'avoir dit bonjour. Après, désolé, hein, des fois, vous savez, vos bonjours et tout, je les loupe. Parce que je suis concentrée ou que je les vois pas ou autre. Ah, faut que je fasse de l'aérobic. J'ai la flemme. Banne-moi, grand fou. J'ai pas les yeux partout, désolé, vous êtes pas mal en plus à parler, donc je ne suis guère une machine. Est-ce que je commencerai pas maintenant à demander... Ah oui, la Banax, oui, con. Ah, je sais pas, mais je pense que j'ai... Enfin, j'étais sûre d'avoir dit bonjour à une Alicia et je pensais que c'était toi, enfin ça m'a pas... Sinon j'aurais capté, je t'aurais dit bonjour. Après, il y a plusieurs Alicia. Donc c'est possible que j'ai loupé, tu vois, mais... Bon, allez là! Le filet. Peut-être aussi, à tout moment, je t'ai aussi dit bonjour dans ma tête. Ça m'arrive, des fois, je lis vos messages et je réponds dans ma tête, mais je le dis pas. Mais pas parce que je veux pas le dire, c'est juste que genre. Ça sort pas. Genre, je le dis dans ma tête et basta. Et je suis grave comme si j'avais fait une conversation avec vous et je me dis des fois, bah, je sais pas, il m'a pas répondu, bizarre. Ah, forcément, je l'ai pas dit à voix haute. Qu'est-ce qu'elle a dit, Kali? Qu'est-ce qu'il raconte? Lolo, le sniper. Lolo, il snipe tellement. En même temps, il est tellement agile. Ça n'a aucun rapport, les deux, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je mange ce soir? Je ne sais pas ce que je vais manger. Qu'est-ce qu'on fait comme miniature pour cette petite rediffusion? Je peux faire un modèle là. Par contre, Apollon, vraiment ferme-la, tu chantes trop mal. Faut que je mette des fleurs, hein. Elle me demande des Théo, je m'exécute, c'est vrai. Si vous demandez un time-out, Lolo, il peut le faire, hein. Ça peut être gratuit aussi. Jason! Jason! Est-ce que tu peux me faire un premier modèle, s'il te plaît? Merci. En arrivant sur ton île. Ah bah t'inquiète Lélé, de toute façon j'ai pas tardé à m'arrêter. Tu as pas loupé grand chose. Y'a pas de soucis en tout cas. Une commande ? Hop. Oui. C'est chiant qu'il faille trois fois le même insecte. Mais c'est moi ou il a des Doc Martens? Il a clairement des Doc Martens en fait. J'ai jamais fait attention. Il a carrément des Doc en fait. Il a la couture et tout. Jason en vrai. Smash.
grave smash. Alors, je vais faire ça. Hop. Ce sera une superbe capture d'écran. Pour mon critique sur Diego. Bah, Diego smash de fou, hein. De savoir le genre des personnes qui parlent, parce que j'ai toujours peur de me tromper. Alors, je crois qu'il y a une extension sur Twitch PC que tu peux installer. Faudrait que je demande à Lox, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Mais il y a une extension que tu peux installer et où tu peux voir, ouais. Faut que tu regardes. Extension Twitch, je crois qu'il y a un truc, ouais. Trop mignonne, Grisa. Trop gnon. Je sais pas si quelqu'un connaît le nom. C'est genre... Attends, je sais quoi, je regarde. En fait, ça change l'apparence de ton chat. Chat. Genre Better TTV, je crois. T'as Better TTV et t'en as un autre. Better TTV. Ah, je suis sur portable. Ah bah, sur portable, je sais pas alors. Oui, c'est il, Lolo. Alors, on saute les fleurs, elle est trop mims. Est-ce que... Ouais, non, même pas sur le profil. Après, Lolo, il a pas mis son pronom. Mais si jamais vous voulez mettre d'ailleurs vos pronoms, et même je vous invite tous à le mettre, hein. Que ce soit un pronom qui corresponde à votre genre ou pas. Peu importe, parce que je sais que... Genre, si même si t'as un prénom, enfin un pseudo, genre c'est Clara, à tout moment, c'est pas elle, tu vois. À tout moment, c'est Yel, à tout moment, c'est il. En général, les personnes qui sont concernées, qui n'ont pas un pronom... un pronom différent de... Enfin, en vrai, Clara, c'est grave... C'est grave elle, en général. Tu sais, tu te dis, je vais dire elle direct, tu vois. Tu te poses pas la question, mais à tout moment, c'est Yel ou il, tu vois. Donc n'hésitez pas à le spécifier, mais à tout moment, par exemple, pour un autre pseudo, par exemple Pépi, soit qui n'a pas de pronom, là on pourrait très bien, on sait pas en fait, on sait pas, vu que c'est un pseudo qui pourrait très bien être mixte, on peut très bien te mégenrer sans le vouloir, tu vois. Après, si tu nous dis bah moi c'est elle, tu vois, bah on va te dire elle, tu vois. Mais en vrai, n'hésitez pas à ajouter, je vous remets encore une fois, vous avez un site que je vous remets dans le chat là, c'est Aledio, qui fait que nous streamer, la plupart du temps, bon pas tous, mais la plupart du temps, si vous mettez votre pseudo, enfin votre pronom, on le verra à côté de votre pseudo. Par exemple, Gabi, toi t'en as un, mais c'est on, ça. Je dois te genrer comment? Comme un objet? J'ai jamais vu ce pronom-là, on, ça. J'ai mis au pif. Bah, change-le, STP. Parce que y a des gens qui font très 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 attention à ça. Et genre là, tu vois, moi par exemple, si tu me dirais oui, bah c'est mon prénom, je veux qu'on me genre comme ça, je ne saurais pas comment te genrer, tu vois. Donc je te demanderai. Pas Yel du tout. Donc n'hésite pas à le changer. N'hésitez pas, hein, si jamais vous l'avez pas fait, faites-le tous en vrai. Il hein. Faut juste se connecter avec son compte Twitch. C'est en anglais, she/her, c'est pour elle. I, him, c'est pour il. They, them, them, c'est pour yel. Et après, t'as encore plein d'autres versions, je crois. Attendez, hop. Faut juste se connecter avec Twitch, vous risquez rien de toute façon. Hein. C'est juste pour que ce soit connecté, quoi. Et tu peux choisir, t'as AE, AER. Après, ça, c'est des pronoms qui sont beaucoup plus, enfin, beaucoup moins communs, mais qui existent. Et toi, t'as mis It Hits, en fait, c'est pour ça. Et nous, ça nous les traduit en français. C'est en anglais, le site, mais faut les traduire en français, quoi. C'est très pratique. Ouais, toi, Pink Satin, je te vois, ouais. Béranger, je le vois aussi, ouais. Kali, je vois. Mais ouais, mais n'hésitez pas, en tout cas, à le mettre. Et puis, si vous en avez d'autres, enfin, vous pouvez en mettre jusqu'à deux différents. Si, par exemple, genre, ça vous va, elle et il, ou elle et yel, etc. Je sais pas si... D'ailleurs, on va voir.
Je sais pas si je peux en mettre plusieurs, genre 3. Je pense que c'est 2 max. Non, Alicia, je vois pas encore. Mais je pense qu'il y a un temps, faut que ça reload. Tu vois, faudrait que je relance le live et tout. Que je relance tout mon logiciel. Mais ça vous le mettra pour la prochaine fois. Et comme ça, au moins, vous savez. Je vois pas encore Lolo, mais je verrai demain. C'est 15 minutes, ouais, peut-être. C'était écrit. Ah, d'accord, bah, c'est peut-être ça alors. Mais je verrai sûrement du coup la prochaine fois. Mais pensez-y parce que en vrai, il y a des personnes pour qui c'est très très important de bien se faire genrer, d'autres qui en ont absolument rien à foutre. Mais si c'est pour éviter de blesser quelqu'un ou quoi, et surtout comme ça, au moins nous, même autre sans savoir, au cas où, enfin sans que ce soit en rapport avec le fait de blesser quelqu'un parce qu'on met genre ou quoi, juste ne serait-ce que bah, qu'on se trompe pas, quoi. Qu'on sache directement à qui on a affaire, quoi. Qu'on se trompe pas et que vous ayez pas à nous reprendre, quoi. C'est bête, mais pour beaucoup des streamers, maintenant, on utilise Twitch Chat, et sur Twitch Chat, c'est directement intégré. Il y a d'autres streamers qui utilisent BetterTTV, par exemple, qui est une extension de Twitch, qui fait que sur Twitch, quand tu es pas en stream, tu peux voir toi aussi les pronoms des autres. Je crois que c'est celle-ci, je suis pas sûre que ce soit celle-là, faudrait que je redemande à Lox. Mais c'est très pratique, comme ça, au moins, on se trompe pas, et puis c'est cool. Bon, j'ai plus de batterie sur mes Joy-Con, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas de Tomodachi, là on en a fait au début du live, j'ai pas trop envie d'y retourner là. Mais on y retournera demain. Bah non, demain je stream pas. Je stream vendredi, reprise des lives vendredi. De demain à jeudi c'est repos. Faut tes repos, c'est clairement Europa Park, ça va pas être de tout repos, mais bon. Que les streamers qui vont... Ouais, peut-être qu'ils vont songer à l'intégrer, Pépi, hein, par le futur peut-être. Hein. Ouais, c'est clair. Après, et en vrai, rien ne vous coûte de demander quand... vous pouvez demander, hein. Vous pouvez taguer la personne. Bon, après, sans que ce soit de manière très, très intrusive, tu vois. Mais tu peux demander, moi, je me posais la question, comment je dois te genrer. Tu poses la question comme ça, et la personne te dit, bah, écoute, mon pronom, c'est ça, tu peux me genrer de telle manière. J'ai remarqué que ça, c'était un truc qui se faisait beaucoup plus facilement. Par exemple, je suis une streameuse qui s'appelle Olive Crossing. Et Olive Crossing, quand elle se présente, je l'ai vue quand elle avait un raid. Elle se présente, elle dit en gros, bah, bienvenue à tous. Mon pronom, c'est elle, c'est she, her. Voilà, vous pouvez me genrer comme ça. Je fais ci, je fais ça sur la chaîne, tu vois. Et beaucoup, 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 beaucoup de gens, en fait, sont grave OP là-dessus. Alors que nous, en France, pas du tout. On est beaucoup moins avertis, on est beaucoup moins sur ce sujet-là, des pronoms, etc. Alors qu'en anglais, enfin les anglophones, ils ont beaucoup plus de facilité là-dessus. Et ils y portent beaucoup plus attention, et je trouve ça vachement bien en vrai. C'est bien parce que comme ça, au moins, tu sais à qui tu t'adresses et t'es sûr de pas te tromper quand tu te présentes. Je pourrais très bien dire, quand il y a un raid, bonjour à tous, mon pronom c'est elle, tu vois. Mais en général, c'est vrai que c'est un truc sur lequel, par exemple, j'y pense pas parce que je vais direct... Et enfin forcément on a grandi comme ça et tout, mais directement tu vas associer que à mon faciès, à ma tête, que c'est elle, tu vois. Mais à tout moment, si c'était pas le cas, je préciserais que c'est pas le cas, tu vois. Je pense que si je me genrais pas elle, si je me genrais il ou yel ou autre, je le préciserais de fou à chaque fois qu'il y a un raid ou je sais pas, à chaque début de live, tu vois, je le préciserais parce que c'est pas ce directement à quoi tu vas penser et tu vas risquer fortement de me mégenrer, tu vois. Donc je pense que pour beaucoup, bah, quand on précise pas, bah, vous partez sur l'évidence, entre guillemets, sur ce qu'on vous a appris depuis très longtemps. Mais sur Internet, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui ne se reconnaissent pas à travers ce pronom-là, et il faut le respecter. Et il faut le prendre en compte, surtout, c'est important. Il y a des personnes pour qui c'est très 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 important, donc c'est bien pour vous, et c'est bien, Pépi, que tu relances le sujet, c'est bien pour vous de vous y intéresser et de ne pas vouloir mégenrer, c'est très important. Donc merci pour ça, merci pour cet effort-là, il y a des gens qui ne le feraient pas. Donc merci bien. Et puis bah moi écoutez, je vais vous envoyer chez Harry. Merci pour ce live, c'est trop cool. Je suis contente d'avoir pu un peu avancer très chill sur Coquette. Je suis contente d'avoir chillé un peu comme ça. Ça fait du bien de pas avoir de trucs, qu'est-ce que je construis, etc. De juste chiller, d'avancer dans la partie. On a fait, on aura eu nos deux derniers habitants. On aura fait pas mal de trucs, on aura pris des motifs, on aura avancé, on aura enlevé toutes les mauvaises herbes. On avance doucement, mais c'est cool. Je vous ai dit, hein, de toute façon, ça va mettre du temps de faire cette île-ci parce que... Ça va être très long au niveau de la déco. Je vais essayer de tout faire, de tout reprendre de zéro, en fait. Ce soir, c'est glandage. Et ménage aussi, je pense. Pardon, je rote. Enfin bref, merci d'avoir été là pour ce stream. Encore merci pour ce week-end de folie. On se retrouve vendredi. Peut-être matin, mais sur à 100% à 16h. Vendredi 16h. Peut-être le matin, je vous redirai.
Je vais pas faire de planning pour cette semaine, j'ai un peu la flemme. Mais je vous y envoie. Et puis, il a vu que je le raid. Il a triché, il a vu que je vous ai envoyé chez lui. Bref, je fais des bisous, merci beaucoup. Et passez une bonne soirée, bon appétit à tous. Et pensez à follow Arvendor si vous le suivez pas déjà. On vise le partenariat. N'hésitez pas à rester, même en lurk, à participer dans le chat et à booster. Des bisous, bonne soirée.